Non, tu m'achètes. Ouais. Non, je sais pas quoi. Je l'ai appelé là, il m'a foutu. L'attaque ressemblait en tout point à celle de la veille. Il y avait sans doute un lien entre les deux. Ça, nous, on joue la salle, et nous, on est là pour chauffer la salle. Non, non. Bonjour, bonsoir. Je me suis bien reposé aujourd'hui. Parce que hier, avec tout ça, mon corps. Parce que mon corps ne. J'ai fait le fou là devant vous. Si je me pousse, je peux tomber. Donc, du coup, donc je me suis vraiment reposé aujourd'hui. Ouais, parce que j'avais besoin, quoi, de me reposer. Non, je vous la salle. Coucou, joyeux Noël. Joyeux Noël. Moi, je suis de prêtre. Moi, je suis chez la prêtre. Moi, je suis chez la Noël. J'ai mis Jésus. Jésus dans ce. Mais les gens qui disent même que. Mais c'est le jour qu'on est né. Le jour qu'on est né, qu'on fait l'anniversaire, non? Normalement, demain, c'est l'anniversaire de Jésus. Hmm? Il est né dans les millénaires, ou c'est 300 ans avant Jésus-Christ, quoi. Et c'est son anniversaire. Pourquoi? Non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Papa, non. C'est lui, c'est le tout des enfants. Est-ce que Jésus est mort étant jeune? C'est son anniversaire, il est né, il est mort à 33 ans. Oui. À 33 ans, on doit faire son deuil. Oui. Coucou, Sophia, ça va? Mettez les cœurs. On voit comment je suis bien reposée. Hey. Mais si, voilà, les, voyez si vous avez vu les cieux que j'ai mis l'autre jour. C'est toujours là, ça n'inquiète pas. Anani, Ezali, Bolingo. Moi, je suis dans la joie tout seul ici. Hein? Oui, j'arrive. Je dis qu'on met les cœurs, hein. Vous aimez toujours commenter, ça met les cœurs. Même l'argent, je n'ai pas. Le mois, si j'ai ce famille de 200 euros, est-ce que c'est normal? Alors que mes copines, elles ont les 1000 euros, les 2000 euros. Vous êtes méchants avec moi, hein. Très méchants avec moi, je vous dis. Vous êtes très méchants. Je vous demande même rien. Je suis là, je suis gentil avec vous. Hein? Très sympa avec vous et tout. Seulement pour mettre seulement les cœurs, c'est un problème. Il faut mettre les cœurs, parce que je vous dérange. Hein? La veuve, moi je suis une pauvre veuve. Oui, je veux passer mes fêtes de Noël tout seul alors que vous serez là avec votre famille. Oui, moi je peux pas aller chez les gens parce que mon état ne me permet pas. Il faut que je parte tout le temps aux toilettes, pisser et tout ça. Vous voyez un peu. Oui, bonne fête, joyeux Noël, décomme, joyeux Noël. Laisse-moi alors, mais surtout, puis toi, je suis fatigué avec toi. J'étais déjà bloqué dans tous les comptes. Tu es toujours là, je suis fatigué. T'as mon journal, non, Joma. Ma conne, ma sonde bien. Hé, de comment mon tu as vu Antoine Bachot? Il était hier, il est venu manger ici, hein, Antoine Bachot. Il est beau, hein, par rapport à toi, hein, il est très beau.
Je vois comment Nathan le papa peut mourir. Ah non, il a des bonnes manières, il a une voix qui est très douce. Oui. Il est venu manger, il m'a dépanné, il a payé ça. Je lui ai fait du au sol. Tu ne m'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, on l'insulte pas chaque temps. Tu ne m'aimes pas, tu me détestes. Tu aimes Lolo. J'étais étonnée, j'étais impressionnée. Il est très calme, très doux. Alors là. Il était là hier, même pas me sans la vue, il m'a dit, ouais. Mais j'étais débloqué, mais comporte-toi bien. J'ai débloqué beaucoup de gens. Mais comportez-vous bien. Ils ont bien mangé, hein. Oui, comme je n'avais pas le temps de fruits, de briser, je les ai fait ça en papillote. C'était. Peut-être qu'ils ont mangé jusqu'à sucer les os. Regardez que je fais cela, que j'attends qu'ils mangent, puis ils laissent. Ils n'ont rien laissé. Moi, j'ai mangé, c'est pas le dire. Joyeux Noël! Joyeux Noël, Waris! Comment ma personne? Hi! Nous, on est là, on chauffe les salles. Facebook doit continuer à vivre, non? Moi, j'ai décidé que moi, les problèmes là, que vous connaissez, pour moi, c'est terminé. J'ai suivi les voies, pour moi, c'est bon. Ouais, et ça, c'est l'effet de Noël aussi. Jésus, en ce moment, c'est Marie en train d'avoir mal au ventre. Pour, vous voyez un peu les contractions, c'est pour accoucher notre Jésus, le sauveur du monde. Donc, on doit quand même rester nous tous calmes. Mais oui. Joyeux Noël! Moi, dès que j'ai les trucs, c'est. Maman, j'ai mis où est notre là? Oui, où est notre? J'ai ça beaucoup ici jusqu'à. Les trucs, c'est. Ça, c'est le noir de mien. J'ai ça pour. J'achète toujours. Ezali, Nazali, Bolingo, Bolingo Nangai. Joyeux Noël dans la joie. C'est tout. Pour moi, c'est passé. Mais quand même, on va quand même discuter un peu. J'aimerais savoir pourquoi tout le monde insulte Dukamé. Pourquoi? Dukamé a donné son point de vue. Pourquoi? J'ai remarqué que vous tous vous insultez Dukamé, mais moi, vous me laissez, hein? Vous avez peur de moi? Non? Non, je ne suis plus moi dans les problèmes, maman. Non, demain, je vais vous faire une surprise. Moi, je ne mange pas ce soir. Noël, pour moi, c'est demain. C'est dimanche. C'est demain que je vais faire des trucs. Caroline, je t'ai appelé, tu ne parles pas pourquoi. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Je t'ai appelé, tu ne parles pas pourquoi. Non, aujourd'hui vraiment, je me suis bien reposée. Je suis allée le matin faire les petites courses pour Noël. Je me suis vraiment bien reposée parce que j'en avais besoin. Parce que hier, j'ai abusé de mon corps. Il fallait que je me repose. Ouais, non. Parce que c'était vraiment. Ouais. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais je t'ai appelé, regarde ton téléphone. Non, mais là, j'ai tout le monde contre. C'est tout le monde qui sort sur quoi? Oui? Il a fait aussi comme j'ai fait. Oui, laissez-moi, je défends Dukamé, laissez Dukamé tranquille. Il est devenu quoi, votre... Ok. Tout le monde parle de Dukamé. S'il parle de vous, parce que vous étiez avec lui. La plupart d'entre vous, vous êtes allés dans ce direct. Vous avez fait les conversations ensemble. Et là, maintenant, parce qu'il a défendu par ma tout le monde est derrière lui, tout le monde est juste n'importe quoi. Vous prenez pour qui? Hey, maman. On dit vraiment qu'il y a des moteurs non en Facebook. Moi, je ne sais plus là, j'attends que quelqu'un me fait un coup passe. Personne ne me calcule même. Non, comme je suis stressé, c'est demain que moi je vais préparer. Je vais faire ma table demain. Oui. Non. Dukamé aussi, c'est. C'est un Camerounais comme nous, c'est notre frère. C'est notre frère, c'est. Non. Parce que là. C'est notre frère, c'est. Non, parce que là, je vois que tout le monde. Et je vais fêter seul. Est-ce que je fais toujours seul, non? Est-ce qu'il y a un problème? Non, je fais cette fois-ci. Parce que je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas aller chez les gens tout le temps aux toilettes, tout le temps aux toilettes. C'est comme si j'ai la diarrhée, je ne peux pas. Oui? Non, je suis à la maison. Mais j'ai la télévision, non? Ah,
Je m'attendais, je l'amuse, j'ai vu à Facebook. Je suis encore d'enfant pour les fêter Noël. C'est quand tu as des enfants que tu fais. Si le Namongo était là, j'allais organiser les choses. J'ai mon sapin qui est là. Ouais, faites-toi seul. Du Camer, je te soutiens. Tout le monde est derrière toi. Moi, je n'entre pas dans vos choses, mais je suis derrière toi. Ah, le Komango, c'est un bâtard. Le chapon, pomme, au four, oui. Au four, hein. Moi, je n'ai pas encore le four. On va livrer ça ce jour-ci. Joyeux Noël, joyeux Noël. Dans la paix de Jésus-Christ, parce que il y a 700 000 ans avant Jésus-Christ. Mais il faut comprendre la douleur. Les femmes qui ont quand même fait des enfants, vous sentez ce que c'est. Parce que même si on fait la péridurale, même si on accouche normalement, on sent quand même mal. Parce que ce n'est pas facile d'accoucher. Pousse! Maman. La tête qui sort, après ça sort, c'est un rap. Tu vois la personne qui t'a fait mal, tu regardes. Mais elle va, vous tous, c'est demain qu'on va préparer pour manger. Moi, je ne fais pas ma part, moi, je suis ici. Merci, merci. Non, je vais mieux. Oui, mais pourquoi est-ce que j'ai... Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas porter des choses lourdes. C'est du camel comme ça. Hé, hey, maman. Quand même, il vous laisse. Vous cherchez le mouton. Laissez du camel. Du camel est innocent. Moi, je voulais seulement écouter ce que j'ai écouté hier. Là. Et puis, c'est bon. Moi, ça ne me regarde pas. Est-ce qu'il veut continuer à faire ce problème-là? Viens, non. Est-ce que de comment il y a un problème? Tu connais ta maison. Non? Tu viens sonner. Tu vas venir ici. Est-ce que c'est un problème? Moi, je ne cherche pas les chats. Tu connais la maison. Non? Tu sonnes. Il y a les chambres. Est-ce qu'il y a un problème? Si tu es adversaire, tu viens, non, ça ne me dérange pas. Joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Je vais vous mettre la musique. Est-ce que je ne comprends pas ce que le tout des enfants, les mamans de Facebook sont là, là. Comment ça, ce n'est pas pour vous. Noël, c'est pour les enfants. Hein. Le 30, le 31, c'est pour les gringos. C'est pour nous. Ça, c'est pour les enfants. Même ceux qui n'ont pas d'enfants. Notre système immunitaire. Même ceux qui n'ont pas d'enfants, je vais voir maman. Essayez Bion 3 Défense. Bion 3 Défense associe les. La bonne suce alors, coucou. Elle a trouvé son élément. Votre voyage spirituel est un. Il a dit que la bonne suce a trouvé sa personne. Il est tribaliste. La bonne suce, toi-même, tu es tribaliste. Ben oui, pourquoi? Tu es tribaliste aussi. Donc, il faut laisser. Naweti, opéromela. Je mets les morceaux aussi pour appeler le dos pipi ici. Ok. Donc j'appelle Lolo ici parce que quand je mets les morceaux aussi. Moi je vais aller dans mes anciens amours. Je dois finir avec pipi.
Battery high. Connected to Galaxy IQ. Bermen, Pipitologo, viens me trouver ici. Parce qu'il y a un problème là que tu, toi-même tu as créé. Viens me trouver ici, Onganda. Allez me l'appeler. Cette bouffonne. Et si vous n'aviez plus peur de la chute? Ok. Si vous me voyez avec ce teint, c'est parce que c'est scellé. C'est Starbucci. Et j'en ai marre. C'est la dernière fois que je vous parle. Je fais ça gratuitement. Ce couple-là, parce que je les aime bien. Oui. Je paye mon huile. Il ne me donne pas ça gratuitement. C'est un couple que j'ai appris à aimer. Il y a aussi des gens qui ont appris à m'aimer. Regardez par exemple, Féoli et moi. On a une relation bizarre. Elle est capable de venir ici, me casser la gueule chez moi ici. Oui, mais elle est avec moi. Je suis avec elle. Tu la respectes, elle me respecte, c'est tout. Et c'est même comme Parmesan. Parmesan et moi, je ne me réveille pas le matin pour l'appeler, pour dire bonjour, jamais. La dernière fois que je les ai appelés, c'était au Cameroun. J'ai demandé que mon lait est fini, comment j'ai fait pour procurer mon lait à Paris. J'ai payé, on a envoyé que mon livret, c'est ici. C'est tout. J'étais même à Château-Rouge. Comment ils veulent faire la publicité des gens? Je fais ça gratuitement. Parce que les histoires, à vos contrats, à vos actes, comme je suis impulsif. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Oh, du camin! Oh, mon chéri, appelle, appelle du camin. Il faut que les gens te laissent, hein. Pour le problème, pour le moment, du camin, comme c'est calme là, laisse. Parle d'autre chose, tu vas non, laisse. Parce que ça, c'est un truc, là, c'est le 24 décembre. Jésus va naître là. Ma Marie souffre à l'air ici. Parce que Jésus va naître à minuit. Il faut un peu de respect quand même. C'est l'anniversaire de Jésus. Hein? Jésus, non, laisse. Parce que je. Tu sais, tous les gens te parlent mal de toi, ils t'insultent partout. Alors que moi-même, je suis une personne de ma calcul. Mince. J'ai des problèmes, hein. Donc, comment est-ce que je suis une droguée, là? Moi, je suis droguée avec quoi, maman? Du camin, tu as mon soutien. Aujourd'hui, demain, après-demain. Toi et moi, on était vilipendés parce qu'on on soutient, quoi. Moi-même, maman, je dis que pas ma soeur, je dis qu'il faut que on me tape deux fois. Il avait dit à Nia de me taper. Il a dit à. Parce qu'il y a eu un maman, mais je vous l'ai dit. Ah ben, ça mettait sur moi, bam, bam, bam. Je ne savais pas. Je ne savais pas que pas ma soeur avait fait le travail. Ça fait quoi? Moi, j'ai pardonné tout ça. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Parce qu'il y a souvent que j'ai dit. Et il faut savoir une chose. Partager, c'est direct. C'est moi qui fabrique. Joseph savait, oui, c'est moi. Est-ce que tu sais ça, du camé? C'est moi qui fabrique la baisse à rien. C'est moi. À l'époque, il n'est pas allé voir sa tante, Ngospit, pour le fabriquer. C'est moi qui a fabriqué la baisse à rien, comme vous voyez ici. Quand il parle mes choses, c'est moi qui l'a fabriqué. Quand il m'a lavé, hein, jusqu'à ce que je lui ai demandé que je veux coucher avec lui, il dit que, hein, tu es gay, qu'est-ce que tu. Il a commencé à clasher. Finalement, il était sur un moment dans la toile, il est parti se rallier avec Ngospit. L'abbesse savait pourquoi tu n'es pas allé demander à Ngospit de te fabriquer. C'est moi, tu es mon fruit, c'est moi qui t'ai fabriqué. Oui. Oui, c'est moi qui t'ai fabriqué, oui. C'est moi qui t'ai fabriqué. Mais l'abbesse savait non. Quand il me lave, c'est comme si l'état il m'a lavé, moi je ne l'ai jamais plus. Moi je n'ai plus un problème avec lui. Que la veuve et si on t'avait frappé jusqu'à te casser un membre. Ma chérie, il faut faire attention. Hein. C'est pas facile avec moi. Hein. Moi, je sais bagarrer. J'ai appris là de la bagarre. Je suis une boule. On nous apprend ça étant petit. Mais signe. J'étais seule quand j'ai bagarré avec Ngospit. Nadège, papa, vous êtes témoin. J'étais seule, désemparée. Je buvais les tramadol parce que je suis partie envoyer l'argent. À une femme qui est partout au Cameroun, j'avais amené les trucs groupés pour envoyer au conteneur. J'étais tout seul. Je n'avais personne. Et j'avais le jour-là, j'avais mon passeport. C'est parce que j'avais mon passeport, ma carte de séjour. J'avais l'argent et tout. J'avais une petite perruque. J'étais seul.
L'histoire retiendra que vous dites qu'elle m'a tapé. C'est compresseur, c'est la déche papa qui a fait en sorte qu'elle me ramasse. Bah, j'étais avec les tennis. Quand je l'ai mis le dos au sol, boum, l'histoire retiendra que même ça m'a tourné après, que c'est la vengeance qui a mis son dos au sol. Vous connaissez facile? Demandez à quelqu'un comme ici avec moi, elle est bonne. Quelqu'un m'est venu ici pour faire la faute. Okay. Demandez-la, non? Moi, j'ai essayé, quelqu'un m'a essayé. J'ai essayé pour ça. Donc, nous, toi, là, on se connaît. Oui, j'étais seule, j'étais désemparée. En plus, elle est venue bagarrer, elle a porté le poing américain. Elle me tapait ça comme ça. J'ai dit que mon cerveau faisait comme ça, elle me tapait ça parce que j'avais les bosses. On peut me taper avec ça, j'ai les bosses, non? Elle avait en tout cas. Attends, tu viens bagarrer la pauvre, tu es forte. Tu viens dire. Elle avait mis les points américains, là, oui, pour les bagarres. Et moi, je ne savais pas. Quand elle me dosait comme ça, elle me tue. Donc, en tout cas, tu tues moi comme ça. Le cerveau. Et jusque-là, j'éteignais. Donc, là où on gossait, là. Même avec là, si ça refait, je suis une fille bleue. On va refaire. Nada, je ne me bats pas. Je peux témoigner. Et vous savez qu'après les caméras, Nadine Papa voulait bagarrer maintenant avec moi. Hein? Parce que je lâchais pas encore ça. Après, j'étais seule. Je ne savais pas où j'étais. J'étais avec eux. Après, on a bu un vin. Après, j'étais tout seul dehors. Je ne savais même pas qui. Tu vois, après, j'étais. Il fallait qu'on me donne ma perruque. Jusqu'aujourd'hui, on m'a pas remis ma perruque. Hein? Et ce n'est pas elle qui a pris la perruque. C'est Nadine Papa. C'est ma pute qui a pris la perruque. J'ai dit que, mais ça, de toute façon, c'est une perruque. C'est... J'étais seule. C'est une bagarre que j'étais seule. Il n'y avait personne. Il y avait seulement un seul mec qui était là. Et les gars qui ont séparé, c'était les Pakistanais, les Camerounais. Regardez, ils n'ont rien fait. C'est un gars qui Pakistanais, qui est mon ancien chou. C'est lui qui avait séparé. Quand Nadia m'a parlé que j'ai menacé tout le monde. Jusqu'à ce que Nadia m'a parlé que Nadia m'a parlé bagarrer aussi avec moi. Elle peut témoigner. Vous croyez que moi, la courte femme, si, avec mes courtes, vous croyez que c'est facile? Je n'ai pas peur, hein? Moi, je ne coupe pas derrière les gens. Hein. Ah là là. Que ce soit les soirées de Paris, mais voilà. Les petites soirées de Paris, là, je m'en fous. Pour l'instant, j'ai enlevé ce que je voulais. Je n'ai plus aucune excuse de ne plus sortir. Aucune excuse de ne plus chercher dans. Avoir, mettre les jeux. Vous allez me voir, non? C'est vous-ci qui me regardez. C'est encore vous qui avez dit que la veuve en fait trop. Demandez-moi qui j'étais avant. On m'appelait Diva de Roche. C'était moi. La diva de Roche. Mon petit corps-ci. Un corps de malade. Eh oui. Oui. Mais tu me dis, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es devenue comme ça? Belle avant. Qui? Je veux redevenir belle. I am the belle. J'ai encore quoi à perdre. J'ai un enfant qui va entrer. Mais maintenant, il veut chercher mon vieux blanc. On va voyager dans le bateau, on va faire la croisette, s'amuser, on va aller voir les kangourous là-bas en Australie, c'est tout. Vous croyez que moi je rêve d'aller vivre là-bas au Cameroun, vous faites quoi là-bas? Maintenant moi je veux faire la croisette, s'amuser. Et comme j'ai un beau corps qui est bien fait parce que j'étais athlète, étant petit j'ai beaucoup couru, j'ai fait du sport. Vous croyez que je vais vieillir comme vous? Dès que je vois que j'ai vieilli, je m'en vais me dire ici. Attends. Vous croyez que parce que je suis coup de taille? Parce que je pèse, j'ai un mètre. Il y a celle-là, on appelle même la couteau chose là aussi qui est comme ça, on appelle Suze. Suze, tu crois que tu es quoi? Parce que tu es 1m55, tu es ce que tu es 1m55, tu es une petite femme comme ça, tu es moro. C'est parce que toi tu n'aimes pas te. Vous savez, tous les filles qui sont en 5 août, petite taille là. Suze, comme vous voyez, elle est petite comme moi, elle a la même taille que moi. Suze, comme elle dit. Elle dit que dans son truc, non. La femme, à l'époque, il fallait avoir 1m50. Comme elle a 1m50, c'est de 1m50 à l'homme. Je vais l'appeler ici. Hein? On te voit où? Vous, quand vous parlez, vous montrez tellement que vous êtes belle jusqu'à venir dans les soirées, on va vous dire que c'est encore. Moi, je sais que tous les gens, j'ai dit que je pèse 1m50. 52. Mais là, elle est soirée, non? Je suis rentrée. Attends, j'ai appelé ma fille. Attends, il y a un problème. Je vais appeler ma fille. Je ne sais pas où elle est. Je dois savoir ce qui se passe là parce qu'elle devait venir ici.
6. T'es où? Non, tu... Je suis à la maison, tu ne viens pas me voir. Oui, parce que tu sais que j'ai... Le... Il faut l'appeler. Oui, tu vas venir à quelle heure? Bah, de toute façon, je suis à la maison parce que j'ai besoin d'aide pour la poubelle. Je ne peux pas porter la poubelle. Tu vois, non, après, ça pèse. Oui, non, bah, c'est les grosses parce que hier, je suis à Château Rouge, je suis allé faire les courses à Château Rouge et tout. Et puis, je me suis un peu dépensé, quoi. Il y avait du monde, il y a tout ça. J'ai... Enfin... Alors, tu sais que je ne dois pas porter les choses qui pèsent. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Pour le reste, je veux m'arranger tout ça. Donc, voilà. Non, je ne veux pas. Je veux faire mon tout seul. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas. J'ai acheté, bon, je veux préparer la tête de chèvre. J'ai acheté une grosse tête de chèvre. Oui, la chèvre. Qui sort du Cameroun. Bon, je ne fais pas attention parce que je pense une chèvre qu'on a tué au Cameroun et puis c'est bon, c'est ce que je voulais. Bah quoi, et toi, c'est quoi? Je suis parti pour pas des huîtres, les huîtres sont en combien? 35 euros. La petite paquet des huîtres à 35 euros, 19 huîtres à 35 euros, non? C'est beaucoup, je ne peux pas payer ça. Et alors, moi, je veux manger ma tête de chèvre, c'est tout. Toi, tu veux manger quoi? Tu payes ta part. Si tu ne veux pas faire avec moi, tu laisses. C'est quoi? Laisse-moi faire mes choses. Il m'avait fait mon direct, pardon, laisse-moi. Tout à l'heure, alors. Ciao. Maman, la star de Facebook. Tu sais comment ma mère m'avait vu bagarrer. Ma mère a failli tomber malade. Parce que je n'ai jamais bagarré de ma vie. Je me suis défendu. Hein? Okay. Demande à Nadège Bapa. C'est une femme qui vient témoigner. Comme je menaçais tellement gros ça, parce que j'étais comme une folle. C'est une adresse qui dit, mais calme-toi. Si tu veux tuer mon bagage, même, c'est comme ça qu'elle arrache ma perruque et tout, elle prend ma perruque et tout pour dire qu'elle a pris le forfait. À un moment-là, Nadia m'a pété avec Ngoussa. Tu que j'ai peur d'un goût, que j'ai peur d'un goût ça. Je suis une femme, hein. Ne regardez pas comme je suis là, hein. Oh, girl. Non, Tina. Coucou, Tina. Oui, je suis même en direct. Ça va? Aujourd'hui, je me suis bien reposé aujourd'hui parce que hier, je me suis un peu plus sur moi et je me suis fait mal aux épaules partout, quoi. Tu vois, un peu, parce que je ne dois pas porter les choses assez lourdes. Et hier, j'ai acheté un peu beaucoup de choses, tu vois, un peu. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, vraiment, je me suis quand même laissé me reposer, quoi. Donc, et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas chez maman? Ok. Non, moi je suis tout seul demain. Moi, de toute façon, moi je vais fêter demain tout seul. Donc voilà. Bah, tu passes avec les... On va manger ensemble. Mais tu passes jusque moi, jamais. Jusque moi, je fais jamais le 24. Moi, je fais le dimanche, tu sais très bien. Moi, je fais le 25. Parce que le 24. Tu vois, je veux faire la fête ici avec qui? Je veux parler avec qui? Au moins, c'est le 25, je pars arriver là-bas, je vois les oiseaux qui volent quand même. Et oui. Oui, c'est vrai, moi, j'ai des personnes, tu sais, tu sais, moi, je suis quelqu'un de... Oui, moi, j'ai des personnes. Tu sais, c'est l'ami que j'ai. Donc, moi, je veux pas moi, je n'ai pas moi les problèmes. Donc, moi, je veux... Et là, demain, j'ai fait... Tu sais ce que j'ai acheté? La tête de chèvre. Alors là, je veux faire ça avec les miroirs d'or. Je vais dresser très bien. Tu sais, le tout de chèvre, les huîtres, les petits paquets que j'achète souvent à 9,90 €. Tu sais combien c'était? Ça coûtait 35 euros. Je dis que 35 euros. Je les ai. Mais je ne voulais pas. En plus, 35 euros, en plus, c'est toi qui vas ouvrir en plus. Oui? Non, c'était trop cher. Oui? Il y a l'inflation dans ce pays, hein, parce que les gens souffrent. Tu peux avec 100 euros même faire les courses, tu rentres, il n'y a rien dans le panier. Hein? Mais bon, mais oui, mais tout est devenu cher. Pourquoi est-ce qu'ils s'en foutent? Parce que même si on augmente le loyer, on paye toujours. La nourriture, on paye toujours, c'est pour ça qu'on ne se plaint pas. Ils ne se plaignent pas, c'est pour ça.
Bah, on oblige de manger, on oblige de payer le loyer, on oblige. Bon, en tout cas, moi, dès que j'ai un peu d'argent, ça part directement dans le. Tout quoi. Mais que, ma chérie, je suis ici depuis 2014. Tu as déjà entendu que moi, je suis ici. Parce que j'ai fait les choses comme il faut. Même quand je ne paye pas même 2 mois, il m'avait volé l'assistance sociale qu'il faut payer. Quand j'ai faim, tu me connais, moi, je m'en demande les tickets de restaurant. Ou même, je m'en... quand les copines même me demandent la nourriture, je m'en vais à la Croix-Rouge. Moi, je vais demander, là, on me donne une lettre, je m'en vais à la Croix-Rouge. Moi, je nourris les gens ici à Paris. Je m'en fous carrément. Tu viens me voir que tu ne manges pas. Je m'en vais dire que je. Oh, je crie, que j'ai faim. C'est tout. C'est, ouais. Moi, je l'ai de cette manière. De toute façon, ma, joyeux Noël, hein, tu m'embrasses ta famille. Et puis, n'oublie pas mon cadeau. D'accord, merci. Bon, on va se dire à demain. Bisous, merci. Oui. Donc, pour parler même la bagarre, là, je peux vous mettre les vidéos, ça, je veux pas, je veux mettre ça, je m'en fous. J'étais seule. Il y a les gens qui ont pleuré, hein. Les gens beaucoup pleuré que moi. Je n'avais personne. C'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui ai le passeport, c'est moi qui ai tout. Il y a un seul gars. On appelle la puissance. Jules la puissance. C'est le seul qui a... J'étais là. J'étais seul. Quand Gossa, tu dis que tu vas porter plainte à Pipi, que Pipi t'a filmé en train d'aller à l'hôpital quand tu agonisais, tu as oublié que toi-même, tu as prémédité ça. Parce que moi, je marchais. Il y a la vidéo qui est là. Tu dis très bien que là, voilà qui passe. C'est toi qui es descendu la voiture et tu m'as attaqué. On a fait la bagarre. Moi, si tu étais une femme, tu allais même taper le dos sur lui. Mais j'ai pu. En plus, j'étais sur les antalgiques, j'étais sur les tramadol. Tu allais me taper, mais tu n'as pas pu me taper. C'est ta copine, même ta, tout le monde avait honte de toi là-bas. J'étais très malin, Gossa. Tu sais pas, tu es venu avec les bagues américaines. Tu me dis que quand c'est comme ça, maman, mon cerveau, oui. Tu viens bagarrer avec la femme joyeuse, avec les bagues américaines. Si ça refait, on refait. Je vais te traîner au sol. Propre. Moi, j'ai fait la bagarre étant petite. Je suis une boule. On nous apprend, on appelle ça le messine. Le messine. Les gens qui t'encouragent là, te voilà aujourd'hui, regarde-toi. Tu es réduit à manger les pâtes de poulet, oui. J'étais seule. Les gens, il y a beaucoup de gens qui disent que vous voyez la vie joyeuse. Si elle avait. Parce qu'on m'a fait un guet-apens. Moi, je peux te porter plainte. Parce que je marchais. Là, voilà, je vois seulement comment je me tourne. Je vois seulement comment quelqu'un qui court. Moi aussi, je la vois, je me fais comme ça. Moi, j'ai enlevé ma perruque que j'avais sur la tête. C'est comme on a fait une ding, ding, ding. Oui. J'étais seule. J'étais même désorientée à la fin. Je ne savais même pas ce que j'ai fait. Parce que les trucs américains, ça peut suivre. Parce que ça peut. Ça, le cerveau. Maman. Pourquoi ça? Est-ce que vous savez pourquoi je déteste comme ça? Moi, je connais ça parce que moi, je ne connaissais pas que les filles se prostituent dans les camions. Oh, avec plus qu'à Biolo, parce que plus qu'à Biolo, il y avait Fleur de Lille, avec le Lille, parce que comme ça montait toujours qu'elle peut taper tout le monde. Parce que Ngo, la seule blogueuse qui aimait la bagarre à Paris, c'est qui? C'est Ngospit. Avec Fleur de Lille, elles ont fait ceci, ding, 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 chaque temps. Elle racle Fleur, elle fait ceci, ou ce Fleur il avait peur d'elle, je ne sais pas. Ici à Paris. Donc quand vous venez d'arriver, vous adhérez dans les pages des gens, il faut faire très attention. Moi, je n'ai peur de personne. La plupart des gens m'affrontent parce que quand je suis petit de taille. Mais au fond, il y a quoi? Si je dis que je tape, je te tape avec les bouteilles, avec tout. Parce que moi, j'ai appris. Je suis une boule. On nous a appris les messines. Avec le tennis, il était renversé avec le tennis, le dos au sol, pap! Pap! Elle était nu-pied, moi j'avais le tennis, hein. J'étais mis le dos au sol. Et c'est Nadège Papa qui a dit que maman, je vais y appuyer la gorge de. Regardez bien la vidéo, vous allez voir comment elle, là où je vais la tuer, comme ça. Elle fait la vidéo comme ça. Elle vient dire que, regardez là, elle a le petit urinaire, elle a le pipi et tout ça. C'est comme ça alors que j'essaie un peu de cacher et tout. Et comme ça, Ngossa reçu à monter souvent. On ne sait pas. Mais l'histoire est chez Ngossa. J'ai mis ton dos au sol.
Si ça a refait, on va refaire ça, mais je suis déjà vieille. Les gens, quand vous avez les tunes, les gens pensent que tu ne peux rien me faire. La vidéo, là, je vais la mettre sur Facebook aujourd'hui. Ma mère a vu la vidéo. C'est passé sur les chaînes de Kourosa. Oui. Je me suis battue. À un moment, hein. Tout ce qu'elle dit, hein. Parce que mon gosse, ça ne vient plus bagarrer, c'est moi. Je peux l'arrêter comme bagarre. Parce qu'elle me dit que tu as insulté mon frère, non. Tu as insulté des chapaillons. Je dis que je l'ai insulté. Et alors, ça fait quoi? C'est moi. Parce qu'on a fait ça, tu vois que ça n'a pas été bien filmé. Oui. Je n'ai pas peur, hein. Ne jamais sous-estimer quelqu'un par sa taille. Les gens peut-être me méprisent parce que je suis coup de taille. Non. Moi, je ne me méprise pas. Parce que ce que moi, j'ai fait, la première maison, mais voilà ce que j'ai construit. Là où ma famille vit là, à l'époque, dans les années 90. Les gens me regardaient au quartier comme ça. Que, hey, la petite fille, c'est elle qui a fait ça. Si vous voyez les chantiers, moi, au moins, j'ai fait. Moi, j'ai fait. Ah, vous allez voir l'ampoule rouge. Calmez-vous. Donc les gens me parlent comme si. Mais moi, je suis au Cameroun. J'avais les bars, les taxis, véhiculés et tout. Je suis dans les villas et drogues à vue à Bonapriso. Quand je vois les bêtises me parler, parfois j'ai. Parfois je pleure. Parce que parfois. Mon cœur se réduit. Et puis, quand mon mari et moi aussi, dès que mon mari et moi en 2011, c'est mon mari qui m'avait mis à Facebook et tout. Et moi, je ne savais pas comment Facebook fonctionnait et tout. Quand on parle comme ça, vous partez ou parce que vous êtes jalouse. Moi, j'ai décrit une vie de reine. Moi, je parle de moi. Ce sont mes histoires, mes voix. Je ne parle, je n'avais pas écouté les histoires des gens pour parler. Moi, je parle de moi parce que c'est moi qui l'ai vécu. Vous et moi, on n'a rien ensemble, rien. Il y a même les gens que mes collègues d'avant me disent que la femme s'est fait quoi à Facebook. Oui. Que une de ces blogueuses là parlait un peu de vos passés, un peu voir. Elles ont les passés. Elles vont dire quoi? Elles étaient où? Elles ont fait la pute où? Elles ont fait quoi? Moi, je parle de moi. Je sais ce que je veux, ce que je suis. Mais oui. C'est pour ça que parfois les gens se disent que, anti, qu'est-ce qui s'est passé? Et mon mari, monsieur de Grémont, un monsieur gentil, il aimait la famille. Et une fois, j'étais parti au village, j'avais un petit frère qui il adorait cela. Et quand on partait, il courait derrière la voiture, il me disait au revoir. Même pas 3 semaines après, il est mort. Ça m'a anéanti. Voilà aussi des gréments qui parlent plus tard. Cancer d'œsophage. Comme il fumait beaucoup ou quoi. Après, c'est devenu cancer de la leucémie. J'ai souffert tout seul. Et puis, quand je vois les petites bêtises, comme les évasions, les gens parlent de moi comme s'ils étaient avec moi. On dit que non. Vous savez ce qui est bien dans ma vie, c'est que moi, j'ai vécu. Peu importe les gens qui vont parler de moi mal, qui vont me dénigrer, parce qu'ils veulent que je me rabaisse à leur niveau. Mais moi, je ne me rabaisserai pas à votre niveau. Parce que là où j'ai mangé, où ils prennent mon prix, vous n'étiez pas avec moi. J'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé, vous n'étiez pas là. Et pour ça, c'est pour ça que je veux toujours me vanter. Est-ce qu'il y a encore fait que les gens me pointent de l'œil? Pourquoi? Parce que comme mon mari avait l'argent et tout ça, donc il me couvrait des cadeaux, je faisais ce que je voulais, j'allais en Suisse, je faisais ce que je voulais, tu vois. Et quand il est mort, du coup, moi, quand les talibans d'âge portaient leur sac Hermès, moi aussi j'avais les mêmes sacs, moi aussi j'ai me placé de ma part. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a dit que okay, c'est qui la femme là? D'où maintenant la jalousie arrive à me mettre dans les pages comme ça? Boum! Que j'ai abandonné. Des enfants, un enfant noir qui a. J'avais aussi 38 ans à l'époque. Que j'ai fait un enfant noir. Et il y avait tout ce que les gens qui se ressemblent. Et la petite fille, elle me ressemblait. On a dit que c'est mon enfant. Coco et coué tout. La jalousie. Les gens m'ont insulté. On m'insultait, on me filmait. Vous connaissez les paparazzi. Tout ce que je faisais. On me voit à Château Rouge. Quand je passe, on me filme. Dans les soirées, alors, hein, ils me filment, mais dans leur page. Et quand je vais lire les commentaires, il n'y a que les injures. Il y a une fille, je l'ai croisée, elle me dit, mais
La veuve. Ça te dit, viens, ce qu'on veut, on dit de toi. Je dis non, je m'en fous. Oui. J'ai dit non, je m'en fous. Parce que moi, c'est pas moi, ça me concerne pas, c'est pas moi. J'ai fait un déni. Ah, ça, c'est pour ça que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais été. Ça m'a fait parfois mal, mais bon. Je ne lisais pas les commentaires. Oui. Ils m'ont fait ça dur, hein. Ça peut vous arriver, hein, vous qui me regardez là, hein. On vous voit à Facebook. Quand vous mettez souvent vos cheveux là, vous faites comme ça. On te choisit, voilà, c'est comme à nuit. Moi, elles m'ont choisi. C'est de jalousie ou de quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? On m'a lavé, dénigré. Mes enfants sont passés. Ma famille est passée. Et vous croyez que là où je suis assise, les petits gens comptent que l'autre t'a lavé assez petit? Oui, et à l'époque, j'allais dans les soirées, toujours bien habillée. Vous avez vu comment j'étais brune, belle. Oh! Diva de Roche. Quand on sortait chercher les clients, quand toi tu es encore en train de négocier avec ton client, j'ai fait trois clients devant toi. Je monte, je passe, je monte. Toi tu es assis. Il y a eu de la jalousie et tout. Moi j'ai les bonnes manières, je sais comment je fais mes choses. Parce que moi je vais au droit au bien. On fait comment? Tu veux boire un verre? Oui. Je dis, je ne suis pas là pour le verre. On va. Tu veux qu'on aille faire un petit massage? Oui. Il fait. Tu sais, tu es là, est-ce que tu es là pour faire la causerie? Elles arrivent là, oui, tu sais, moi je suis comme ça. Je suis du Cameroun, je suis... Non. Quand il faut travailler, écoutez-moi, je suis un professionnel. J'ai travaillé dans les bars à Champagne. En Suisse, à Zurich, à Genève, en Belgique. J'ai été. Quand le client vient, tu es seulement là pour le séduire. Tu vas lui raconter ça. Il n'est pas là. Il n'est pas venu là pour que tu lui racontes sa vie. Au contraire, lui, il est là pour venir raconter ses déboires. Oh, tu deviens un psychologue. Oh, ma femme a fait ceci. Moi, oui. Tu es seulement là. La même quand tu caresses un peu, tu dis, écoute, ça serait mieux qu'on aille dans la chambre pour continuer. Non seulement le champagne, tu gagnes le champagne. L'argent, tu gagnes. Le temps qu'il fait de la chambre, tu gagnes. Là, il va remarquer, même mettre assis les prostituées. Ben oui, fais attention. C'est la même chose. Vous qui me regardez, vous me payez. Vous me payez sans savoir. Ben oui. Il faut travailler. On part là-bas. Dès que je vois, il y a que les champagnes déjà ici. Je recommence encore à danser un peu. Jusqu'à qu'il va dire. Donc je le maintiens en sorte qu'il n'ait même plus envie de rentrer chez lui. Il va dépenser 3 000 euros, là, 5 000 euros. Et le vendredi qu'on nous paye, il avait rentré. D'abord, je rentre avec ses 15 000 euros pour une semaine. J'avais l'argent avant. Oui. Tout cela. Aucune femme ne m'a. Je vous m'en paquet. Aucune femme, aucune Camerounaise ou n'importe qui m'a tendu la main. C'est moi seul. Moi, j'ai découvert toute cette vie tout seul. Oui. Il y avait les filles basses avec qui je marchais. À l'époque, moi. Chaque temps, telle est mariée, l'autre est mariée. Je dis que, mais, on est venus ici ensemble. Vous, tout le monde, j'ai marié. Personne ne m'a tendu la main. Parce que j'ai trouvé ma part de Laurent de Raymond, très gentil. Un homme gentil qui m'aimait. Et Dieu le prend comme ça. On avait les projets et tout. Vous croyez que... Parce que la maison, là, moi j'ai conçu avant. Hein, la maison que j'ai... Moi, c'est avec mon argent. Hein. Laurent n'a même pas mis ses parents. C'est mon argent. Je me fais que j'ai conçu cette maison. Au moment qu'on est là pour prendre l'argent, pour faire ceci, pour faire ceci. Voilà Laurent qui me... J'ai allé avec quoi. Et les gens ne comprennent pas. J'ai dit, attends, bon Dieu. Voilà un homme qui était gentil, il m'a épousé. Il a reconnu mes 2 enfants. Il m'a fait ceci. J'étais heureuse avec lui. Tu le prends. Mais Dieu, que quand il a dit que tu pars. Ah oui. À l'hôpital, il fallait voir. Donc après, il dit que... Il a parlé, il me dit, prends le mic, écoutez l'histoire. Moi, je parle de moi, hein, je ne parle pas des histoires filatées des gens. Il me dit, Elisabeth, prends le mic. Donc, je parle le mic et le papier. Non. Oui, il voulait me dire quoi? Et il voulait me dire quoi? Il commence à écrire des zigzags comme ça. Lui, il voit ce qu'il écrit, mais je ne vois rien. Je vois seulement les zigzags. Il me dit, il voulait me dire, ou bien il voulait me dire quoi? Quand je dis, Laurent, moi je ne vois pas. Je vois les zigzags
Alors que lui, il écrivait, il voyait ce qu'il écrivait, mais moi, je voyais laisser ça. Donc, dans la vie, mais voilà. Monsieur de Raymond restera toujours l'homme de ma vie. Aujourd'hui, demain et à jamais, je veux pleurer mon époux. Si mes filles sont en Europe, c'est lui, c'est grâce à lui. S'ils ont un nom, c'est grâce à lui. Le type était tellement gentil et il m'aimait. Il s'en foutait de la vie que j'ai menée. On était nous libérales. Et que jusqu'au bout, il me gâtait jusqu'au bout. Si mes enfants parlent anglais, je me souviens quand Harry Potter était sorti, les manuscrits d'Harry Potter, c'était 100 manuscrits. Il a fait tout. Mes enfants, comme mes enfants parlent bien anglais et tout ça. Maman, la belle vie que j'avais. J'avais une belle vie. C'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. Où on m'a fait ça, où? Où on est parti me. Est-ce que j'ai peut-être donné les pièces d'argent à qui est parti me. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Ils m'ont trouvé sur les réseaux sociaux. Humiliation sur humiliation. Donc il faut faire attention. Je me suis battu dans ma vie. Mais bon, on va faire comment? C'est la vie. Et Laurent, mon mari. Parfois, je reste comme ça, je pleure moi. Oui, Laurent. Moi, je ne pleure plus trop. Je ne pleure plus trop. Donc, dans la vie, vous voyez les gens, les réseaux sociaux. Nous tous, on a une histoire. Une histoire qui nous fait mal. C'est pour ça que j'en voulais en Dieu. Que pourquoi? Dieu a tout fait pour moi au moment qu'on a les projets, pour réaliser les projets. Tu me prends mon mari qui m'aidait. Et vous voulez que je devienne quoi? Un mari attentionné. Et moi-même, j'étais attentionné parce que... Mais ce qui est marrant, c'est que je ne me souviens pas que mon mari a mangé ma nourriture parce qu'à l'époque, je ne mangeais pas. Je ne préparais pas parce que celui qui est bien préparé, on avait aussi les femmes de ménage, les portes. Mes filles s'habillaient chez Dior. Elles ont eu les premières étoiles chez Dior. Mes filles étaient peignées. Et il ne m'a jamais dit non un jour. Il est mort. Et puis les bâtardes. C'est qu'un homme ne va même pas les amener, même au week-end ici à Deauville. À Deauville. Rien. Nous sommes tous vivants en Europe. Il y a Europe et Europe. Je me suis trop fait. Je me suis trop mélangé. L'année prochaine, vous allez me voir. Vous allez me chasser ça. C'est parce que je vais vous mettre plein la vue. Vous allez me voir. Si vous devenez la diva de roche. Putain, quand je passais dans les soirées. Mes photos étaient placardées dans tous les prospectus des soirées. Pourri. Il y avait moi, Trésor Béa. Il y avait celle-là, une bengue, Joséphine, une bengue. On était maman. Golden Woman de Paris. Quand moi je partais dans les soirées ici à Paris, je ne les voyais pas. Hein? Tous ces soirs-là. Que ce soit comme quand, que ce soit. Que ça soit la piste, je ne les voyais pas. Où ils étaient dans quel endroit où? Je ne sais pas. Aujourd'hui, la vie a changé, les réseaux se sont sortis, mes télés sortis. Même les gens que je peux payer, que venez me laver le sol ici, me parlent fort. Vous devez cuire quoi au Cameroun? Vous avez vécu quoi au Cameroun? Vous avez fait quoi au Cameroun? Moi, j'ai payé les impôts libératoires. Les impôts libératoires. À l'impôt. Aux impôts, j'ai payé. Tous mes taxis, j'ai payé tout. Et on me parle fort. J'ai habité à Bonapriso, à Hydro-Cabu, dans une villa de luxe. Vous venez parler à la veuve joyeuse. Eh, Antiana. C'est là, Amougou avait bien dit que, Antiana. Amougou. En tout cas, ce qui est fait, est fait. On dit que mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Mais comme nous sommes mouillés, on reste dans le mouillé. Mais je vous promets que si tu me donnes la vie, l'année prochaine, c'est vous qui me regardez là. Vous allez me trouver au thème. Malgré tout ça, j'ai vendu le piment. Mais quand j'ai dit que j'étais en couple libéral, donc je voulais faire ce que je voulais, je pouvais vendre mon piment. Et alors? Oui? Il y a quoi? On était en couple libéral, j'ai fait ce que je voulais, fait ce qu'il voulait. S'il m'avait fait la pute, et que je me pêche de mon argent, et alors? Attends, regarde, moi je te bloque pas, hein? C'est une bonne question.
Malgré tout ça, j'aurais vendu le piment. Elle va se mettre à partir où avec moi. J'ai fait quoi avec elle? Il faut faire attention à l'économie des réseaux sociaux. Et vous me voyez depuis des années ici à Facebook. Vous me voyez sortir, vous me voyez aller faire l'économie dehors. Toujours là. Tout ça, c'est la jalousie. Les gens parlent de moi ici. Mais devant moi, on ferme la bouche. J'ai été, et je serai toujours. Oui. Le remède de ma vie. Moi, je ne parle pas. Moi, je ne fais pas que quand je. Il y a Eva, Somaya, elle adore tout. Quand je ne lui parle pas de ma vie, parce que en fait, je ne la connaissais pas, hein, attention. Quand je parle de ma vie, c'est Eva, c'est ça, mes histoires qu'elle, elle s'approprie pour aller parler dehors. Et le jour qu'on est ensemble, que je raconte la même histoire, je dis, mais non, ça, c'est l'histoire d'Eva. Il dit, attends, donc Eva, quand tu es mon ensemble, donc moi, je te parle de ma vie, toi, tu viens raconter sur ta vie. Parce que ce sont les gens qui n'ont pas, ils n'ont pas vécu, ils n'ont rien. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le désert, ils n'ont pas vu le Sahara, ils n'ont rien vu dans leur vie. Moi, j'aime quand je parle de moi. C'est moi. Je ne parle pas des histoires qu'on est parti fabriquer. Oui. Même si je suis vieux, on dit que je suis drogué, on dit que j'ai fait ceci. Ce n'est pas grave, c'est ma vie. Je n'ai jamais nié que ce n'est pas moi. Parce qu'on m'a quand même filmé avec la scène d'un coup. J'ai dit que ce n'est pas moi, que c'est moi. Et avec ma voix. Je n'ai jamais nié à Facebook. Hein. Parce qu'à Facebook, quand tu sais que c'est bien toi qu'on voit là, ne jamais nier. Si tu nies, ils vont te mélanger. Moi, j'ai jamais nié. Hein? Nathalie, quoi, nier quand tu sors ses photos? Elle a ce que sort ses photos, non? C'est fini. La seule personne ici à Facebook, quand on monte sa part, elle n'accepte pas. Tu sais très bien que te voici sur l'eau. Tu dis que tu n'acceptes pas. Pourquoi? Pourtant, c'est toi. Moi, tu m'as dit, mais tu n'as pas le coucher, tu dis que c'est moi. Et quand tu acceptes, l'histoire finit vite fait. C'est quand tu n'acceptes pas que les gens vont te faire les léguer, ils vont te malaxer. Comme ils savent le faire ici à Facebook. Moi, je regarde la vidéo, d'abord, je regarde très bien, je dis que c'est qui ici? Ce n'est pas la veuve ici. Il ne récupère pas l'héritage. S'il récupère ou pas, tu seras au courant comment? Quel héritage? On t'a dit que tu épouses un blanc, c'est forcément que tu dois avoir l'héritage. Tu ne récupères pas. Quel héritage? Toi, tu as quel héritage là où tu l'as? Vos héritages, les dettes. Vos maisons vont être hypothéquées à cause des dettes de vos maris. Mbap. Ma veuve, tu ne récupères pas l'héritage. J'ai à tout faire, c'est mon héritage. Même les gens qui me connaissent, tout pour vous, c'est l'argent. Tout pour vous, c'est l'argent. Ma retraite est déjà bien. Hein? Ma retraite est bien. Vous avez les retraites là, vous êtes là. Bande de sans-papiers. Je pars seul. Que ça marche, que ça ne marche pas, je pars seul. Il n'y a personne qui peut venir d'ici que la veuve Joëlle est partie amener mon nom chez le marabout. Parce que moi, je ne connais pas les choses là. Vu que moi-même, je parle laver le poisse, je passe pas ramasser la poisse. Il y a des gens quand. Il y a des gens, les intouchables. Je suis une intouchable. Il n'y a que Dieu seul qui peut me faire les bonnes choses. Vous avez déjà prié combien de fois? Des centaines, comme là. Ça n'a rien donné. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut savoir attendre. Savoir attendre. Et savoir souffrir. J'ai mes enfants. J'ai mon Namangwe. J'ai mon petit cercle d'amis qui m'aime. Il y a même certains d'entre vous ici qui m'aiment comme je suis. Qu'est-ce que je vais encore le foutre dehors, aller porter les bottes avec les taxis? Si vous voulez, j'appelle les taxis. Vous voulez? J'appelle les taxis. On va au bord de Boulogne. Vous allez voir comment les filles sont là-bas, nues, avec le froid. Les marques sont là. On les force à se prostituer. On est où? Dans les beaux quartiers. L'Élysée, c'est à côté ici.
Et les policiers sont dans les laisse faire. Mais si toi, alors tu te places, c'est pas ici. Hein. Il y a une voisine qui va appeler. Ah, cher monsieur, il y a une dame qui est là, qui fait la prostitution et tout. Oui. Moi, parfois, l'été, je me place là-bas. Je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais voir les gens qui vont venir me voir. Mon bien n'avait pas mes biens. Donc, le bien est synonyme de bien. Je suis madame de Grémont. Va dans l'immobilier privé. Tu vas savoir dans quelle famille je viens. Ton blanc n'avait pas. Donc, vous prenez le blanc, il y a tous les biens qui sont riches. Donc, pour vous, quand on épouse un blanc, c'est parce qu'il est bien. Hein? Non? Ton bien n'avait pas les biens. Et même si là, je suis une personne que même si j'ai 1 million, je serais veuve joyeuse, comme vous me voyez ici. Rien ne va changer dans ma vie. Vous ne vous êtes pas posé la question que la veuve joyeuse fait comment pour payer son loyer? Elle fait comment pour vivre? Vu que je ne suis pas une prostituée, je ne sors pas. Je n'ai même pas le copain à titrer en ce moment. Mais je vis même plus que vous. Vous ne posez jamais des questions sur ma vie, comment je vis, ce que je fais, que j'ai un copain, non? Sur les questions, hein? Est-ce que ton gars n'a pas laissé l'héritage? Même si laisse l'héritage, vous ne saurez jamais. Je serai toujours ici en Ghana. C'est tout. Moi, j'ai tellement mis loin. Vous êtes toujours en train de poser des questions aux gens. Maintenant, j'ai mon accord avec plus de chance que moi. Et alors, maintenant, j'ai mon accord, elle et moi, on se connaît. On est dans la même registre. Celles qui trouvent qu'elles ont eu la chance, c'est leur chance. Je ne fais pas la concurrence avec qui que ce soit, je m'en fous. Tant que là, je suis heureuse, moi, ça me suffit. Mes enfants sont heureux. Je suis heureuse comme je suis. Moi, je n'ai pas eu la chance dans ma vie. C'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé dans ma vie. Peut-être que j'ai dû tuer quelqu'un dans ma vie antérieure. C'est pour ça que peut-être je me punis. Peut-être. Donc, voilà. Tu es belle, mais fais la paix avec Lolo. Jamais. Lolo, c'est ma personne. Elles sont de Ngosa, elle, que je ne peux pas lâcher. Que je fais la paix avec Lolo. Jamais. La paix de quoi? Si on fait tout, si tout le monde fait la paix, vous allez faire les gens avec qui? J'avais dit zéro paix. Et alors? Donc, tout le monde doit faire Alléluia. Et l'actuelle Camerounaise va rester comment? Ah non, 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 il faut des problèmes. Moi, j'ai pris les problèmes. Non, non, non. Il faut des japa. Ah oui? Il faut faire la paix. Donc, la paix de quoi? Voilà le pape. Voilà le pape qui bénit les hommes, que les hommes se marient, entre eux, les femmes se marient. Le pape! Qui parle de ça ici? Moi, j'ai seulement dit, je ne parle plus moi. Vous parlez de ça? Vous trouvez ça normal? Hollande avait déjà dit, mariage civil à mairie, oui. Maintenant, c'est l'église. Deux hommes, à l'église de Dieu. Est-ce que Dieu a dit? Vous voyez, le monde devient bizarre. Hein? Quand le monde devient bizarre, toi aussi, tu te poses des questions, tu deviens aussi bizarre. Hein? Ah oui. En tout cas, la veuve joyeuse, moi, je fais mes choses, moi, je parle de ma part. Et après, j'écris sur ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Donc, Adam et Ève étaient deux hommes. Quand ils font Jacques comme ça, on va faire comment après? Si maintenant, les femmes décident qu'ils ne veulent plus accoucher. Donc, après, l'humanité, c'est quoi? L'humanité, c'est l'homme. C'est les enfants et tout. Si maintenant, moi, je t'épouse, toi, elle s'appelle. J'épouse peut-être Sidonie. Si Dodi, je t'épouse maintenant. La veuve, pourquoi tu n'étais pas remariée et pourtant tu es encore jeune? Ça, c'est une bonne question. Bah, moi, je vous pose la question. Parce que je n'ai pas vu un prétendant digne de M. de Grébon. J'avais une belle vie. Tu penses que je vais aller me marier avec n'importe qui? Il faut me faire un homme qui avait presque le même salaire que M. de Grémont dans le même set. Je ne peux pas aller pour un homme qui gagne 10 000 euros par mois. Il va te dire quoi? Ah, tu sais, il y a souvent un problème, ils sont souvent divorcés. Oh, les enfants, je dois donner 2 000 euros aux enfants pour la scolarité. Je dois payer l'essence, je dois payer les clés de la maison. On te bombe. Jamais. Moi, je dois avoir quelqu'un qui est substantiel. Mais il y en a. C'est à toi de bien se comporter, c'est tout. Que quoi? Donc, tu vois que je vais. Tu sais, moi, je suis pas à la capitale.
Donc, tu vas aller vivre avec quelqu'un. Oh, je veux. Oui, au début, tout se passe, puis après, tu entends ce mot. Oui, tu sais, je suis divorcée avec ma femme, je dois payer l'ancienne maison. Parce que, oui, parce que la maman des enfants vit toujours là-bas à la maison. Il y a 2000 euros qui passent pour payer la maison. Il y a la pension alimentaire qui passe 1500 euros. Ça fait 3500 euros. Il y a maintenant sa voiture, parce que c'est le leasing. Oui, il faut payer la voiture. Il faut payer ceci. Il faut payer. Après, il va te donner combien par mois? Monsieur Degré va me donner 3500 euros par mois. Attention. J'avais 3500 euros par mois. C'est pour vous dire, pour les gens, les vies que j'avais, moi, je ne mens pas. Oui, j'avais. Moi, les gens me connaissaient, j'avais une belle vie. Hein. Mais moi, je n'étais pas exubérante. Je ne manquais pas de respect aux gens. Au contraire, moi, je donnais. Moi, je suis donné aux gens. J'étais gentil. Je voyais mes copines qui étaient un peu hautaine avec les gens, alors que moi, non. Moi, je donnais, j'étais gentil avec les gens, je donnais. Je donnais tout. C'est pour ça que les gens m'ont respecté à Paris. Moi, je donnais, oui. Moi, j'avais 3500 euros comme ça. Le premier, 3000, le 15, 1500. Je faisais quoi avec l'argent? J'avais de tout. C'est là que j'ai commencé à construire mon ampoule rouge. Et ils ne savaient pas que je construis l'ampoule rouge. Mais oui. Mais vous me croyez pas? J'ai grandi en Consaba. C'est les bagnettes, les bagnettes. J'ai vu comment ils fonctionnent. Oui. Si tu me donnes 10 euros là maintenant, tu vas partir, tu vas trouver qu'il y a 8 euros qui restent encore. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Et ce qui est marrant, c'est un peu ça quoi. Parfois, tu te poses la question, tu te creuses la tête, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un de... Oui. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un que tu me punisses de la sorte? Parce que c'est horrible. Tu as une personne qui t'aime bien, vous entendez. Après, boum, il te lèche. Tu es seul. Il faut faire les documents. Il faut faire ceci. Il faut mettre tout ça en ordre. Il faut faire les choses. Il y a les choses qui arrivent. Et les leasing. Et les gens qui viennent récupérer les voitures. Parce que les voitures n'étaient pas encore tout payées. Tout ça. Tu gères ça seul. Vous voyez un peu? Vous croyez que c'est facile? Eh oui. Ceux qui sont mariés là, mieux que vous mouriez avant vos maris. Parce que si vos maris meurent avant vous, hein, vous allez voir. Après, vous n'aurez plus personne. Hein. Ah non, tout le monde, vous retrouvez seul, tout le monde part de son côté. Je vais faire quoi avec tout ça, cet argent? Mais attends un peu, qui vient m'intriguer ici? Attends un peu, je vais voir un peu cette fille, c'est qui ça? Elle s'appelle Christelle Tchatchouan, tu dis. Elle a fait quoi avec tout cet argent? Mais j'ai vécu avec l'argent. J'ai construit. J'avais les voitures, j'avais tout, j'ai payé tout. J'ai commencé à mon ampoule rouge. Tu veux que je te mets la photo de mon ampoule rouge? J'ai commencé à construire. J'ai d'abord fini la maison. Là où ma mère est, 5 chambres, tout un camp. J'ai un camp, une villa et les. Comment on appelle ça? Les dépendances. Ensemble, tu veux pas de quoi? J'ai fait quoi avec tout ça? Tu veux savoir? Va demander à Lolo. Tchatchouan. Va demander à l'autre ce qu'elle a fait de sa vie. Moi, j'ai fait. Et quand je pars à ça, je montre que voilà ma construction ici. Va demander à l'autre. Et les cœurs, s'il vous plaît, parce que là, ça va bouger. Parce que vous commentez beaucoup. Vous oubliez les cœurs. En tout cas, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Ou c'est de moi que vous parlez. Voilà les choses que je n'aime pas. Moi, je parle dans mon direct. Vous venez avec les branches pour parler d'autres choses ici. Mettez les cœurs. Et à qui? Fatim, mettez. Je compte jusqu'à 5. Si tu ne mets pas le cœur, je te bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Non, je te bloque. Va commenter un peu. Voilà. Eh oui. C'est comme ça que la voix joueuse est. Les étoiles, il n'y a pas. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Moi, je vous parle de ma vie. Je ne parle pas de la vie de compresseur ou de femme. Moi, je vous parle de moi pour que vous appreniez à me connaître. C'est tout. Si c'est vous, venez commenter ici. Donc, moi, je parle. Vous ne regardez pas ce que je parle. Vous venez, il y a fait les brèches. Et c'est les brèches. Là, vous avez remarqué qu'il y a certaines vidéos qui manquent dans ma page, non? Parce qu'on a signalé mes vidéos. Toutes les vidéos que j'ai fait hier. Et on a signalé mes vidéos. J'étais obligé de les enlever. Je suis allé au moteur, oui. Moi, je bloque parce que vous ne me servez à rien.
Je peux vous parler même de mon anus, la personne va mettre des étoiles. Si je vous demande seulement que vous êtes 100 personnes à me regarder, même si il y a seulement 3 personnes qui mettent les cœurs, ça vous dépasse. Donc le fait, c'est que vous allez appuyer. Dès que vous mettez les cœurs, ça vous dépasse. Vous ne voulez pas mettre les cœurs. Mais vous voulez écouter la voix joyeuse. Ah là là. Quand je compte seulement, quand je dis que 1, ok. Je n'aime pas le calendrier. Le premier bar que j'ai travaillé en Belgique s'appelait Montréal. Montréal. Montréal, c'est la capitale du Canada, non, je crois. La tête de la chèvre. Le menu du Canada, c'est la grosse tête de la chèvre qu'on va manger demain. La tête est grosse, hein. Avec les millions d'or à ma façon. Non, c'est Ottawa. Et Montréal, c'est. Mais il y a beaucoup de capitales là-bas, mais c'est. Montréal, c'est une grande ville aussi, non? La chef va bien, ça fait longtemps. Il faut lui dire que je l'ai salué. Hein. Que demain, je vais manger sa tête. Maman, elle a ressorti son frigo. Hey, maman. C'est grave là-bas. Quand je pense à moi, j'ai dansé au baron. Vous connaissez le baron à Paris? C'était le bar à champagne de luxe. Tu ne pouvais pas aller là-bas. J'ai dansé chez les Américains Osler, chère Élisée. Mais ils sont derrière la fenêtre, non? Est-ce que moi, je ne peux pas parler de la vie des autres parce que je ne connais pas leur vie? Je ne connais. Moi, je parle, moi, j'adore parce que j'ai les histoires à vous raconter. Parce que j'ai vécu. De mes 48 ans, je peux vous sortir les histoires tous les jours. Au moins, moi, je parle de moi. Oui. La plupart, ceux qui ont voyagé avec les passeports des gens, ceux qui ont bossé dans les déserts, ces influenceurs, les trucs. Moi, j'ai pris Air France. À l'époque, il n'y avait pas business class, il y avait première classe. Ah oui, il n'y avait pas business class à l'époque. Bon, si je me rappelle bien, moi j'étais à... Maman. Hey, France, je suis arrivé ici, j'habitais aux Champs-Élysées, à l'hôtel Le Phoenix, c'est les Champs-Élysées, à l'avenue Mac Maron. Eh oui. Moi j'aime bien parler de moi. Moi je ne suis pas quelqu'un qui copie. Les copies qu'elle a parlé de vous. D'accord. Est-ce que nous, on est avec eux? Ils ont quoi à raconter? Ils ont quoi à dire? Nous sommes au réveillon de Noël. Welcome. Eh oui. Moi, je parlais de moi. Parlez aussi un peu de vous, vos vécus. J'ai travaillé au safari à Yaoundé et à Douala. Moi, je prenais le vol pour aller danser à Safari de Yaoundé. J'étais une stripteaseuse, j'ai dansé nuit à l'époque. Hein. Est-ce que vous savez ça? Et j'avais la plus belle poitrine. Une très belle poitrine à l'époque. Ça, c'est ma vie. J'ai gagné les billets d'avion pour voyager et tout et tout. Et même à Zurich, ou c'est à Berne, j'avais gagné aussi un prix. J'avais gagné un billet d'avion, on devait aller prendre le vol pour aller en Turquie pour deux jours et tout. On avait fait le concours des Miss. Il y avait 3 Miss. J'ai gagné, hein? Oui. J'ai gagné en Suisse, oui. Voyager avec les papiers des gens. Ici, là, il y a un problème ici. Ça veut dire que tu n'existes pas. Eva, elle avait voyagé avec les papiers de quelqu'un. Après, ici, elle a refait les papiers. Mais on a demandé. Parce que pour moi, c'est que. On a demandé que tu as fait comment pour venir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de beaux-arts. On lui a refusé de faire ce papier ici et tout, parce que son nom, Eva, se donne pute de bas et tout. Donc son nom, Pascaline, son nom ne figure pas dans la liste au Cameroun, des passeports que les gens ont fait. Voilà le problème que les gens ont. Parce que quand tu voyages avec l'identité de quelqu'un, t'as vu?
Et maintenant, quand tu arrives ici, tu changes. Qu'est-ce qu'ils font ici à l'ambassade? Ils regardent. Ils regardent si tu fais partie des gens que ton nom, ton passeport a été délivré à ton nom actuel. Voilà le problème. Et on lui a refusé même l'acte de vie. Même l'acte de vie. L'acte de vie, c'est un truc qu'on appelle ça. Parce qu'elle voulait se passer avec son mec. Parce qu'à un moment, même si pas peu, même si avec deux enfants français, on ne voulait pas. Et elle voulait se passer avec lui. Et tout, on a demandé de faire l'acte. On a demandé l'acte de vie à la mairie. Tu vois, non? L'acte de vie à la mairie. Et quand elle est partie, on s'est croisé là-bas. Oui, on a refusé. On avait refusé. On a dit que non, on ne te retrouve nulle part. On ne sait pas comment tu as fait pour venir ici, donc on ne peut pas te donner l'acte de vie. On ne te connaît pas. On ne sait pas si tu es camerounaise, oui. C'est tout. Et oui. Continue à voyager avec les papiers des gens. C'est ici. On vérifie ici. Attendez un jour. Je vais vous rencontrer, mais vous raconter mes déboires quand je suis arrivé ici. Ce que j'ai vécu. Bientôt, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Le roi. Moi, je parle de ma part. Je ne veux pas parler de tous les gens. Quand tu voyages avec le passeport de quelqu'un, parce qu'après, dès que tu arrives ici, du coup, il faut que tu renvoies le passeport. Parce qu'il faut renvoyer le passeport. Parce que lui, il a travaillé, ça veut dire que tu as voyagé avec son passeport. Maintenant, c'est bon. Après, maintenant, tu renvoies le passeport au Cameroun. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, tu restes sans papier, sans passeport. Et là, maintenant, si tu réussis à faire le passeport, et que le passeport, là, tu envoies quand même le passeport fini. Tous les papiers officiels que tu vas avoir ici, tu ne pourras pas. Tu vas même à l'ambassade. Oui. Mais on ne vous retrouve pas. Vous avez fait votre passeport où? Parce que nous, votre nom ne figure pas dans le passeport au Cameroun, oui. Il faut demander. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués ici avec ça parce qu'ils ont voyagé avec les noms des autres. Oui. Et non, c'est, non, non, non. Il n'y a pas de. Écoute, l'ambassade du Cameroun, ils sont très durs. Eva, son qui était ici. Il fallait l'acte de vie. L'acte de vie, ça veut dire que c'est ta vie que tu as vécue. On veut savoir si tu as eu des antécédents de peut-être de délinquance et tout. On appelle ça l'acte de vie. On a refusé parce qu'on n'a pas trouvé nulle part. Oui. Même si tu repères ton passeport, tu ne peux pas voyager sans passeport. Oui. Nous tous, on a fait les passeports à l'immigration. Donc, il y a les traces là-bas, l'immigration. Si à l'immigration, on ne te retrouve pas. Et toi, tu as le passeport, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Oui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les problèmes aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les problèmes, oui. Non, non, tu ne peux pas déclarer perdu. C'est quand tu es émigré, ton passeport, attendez, je vous montre. Okay. Ton passeport, on te connaît. Ne fais jamais. On a refusé l'acte de vie parce qu'elle devait faire le pass. C'est tout. Malgré ces 10 ans, quand tes 10 ans finis, pour te renouveler, il fait quoi? Il faut quoi? Le passeport, non? Il faut le passeport. Si l'État refuse de donner le passeport, tu vas faire comment? C'est trop compliqué, mais voilà. Moi-même, j'ai même plus. Je pense que c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous croyez? Fais-moi mon truc est fini. J'ai dit que moi, c'est mes passeports ici. Quand j'étais encore jeune. Européen. Et dis, Dana, nous, on parle de passeport africain. Toi, tu me parles de passeport européen. Je suis européenne. Dis-moi, est-ce que je suis européenne? Je sais comment ils font leurs choses. Leurs choses, c'est à la mairie ici. Tu me parles européen, quoi. Passeport européen. Je suis européen. C'est pour me dire. Pourquoi vous avez toujours détourné les choses? Nous, on parle de tout camerounais, les passeports camerounais. Tu veux dire passeport européen. Passeport européen, c'est quoi? Je veux faire parler passeport européen. Je suis européen.
Moi, je parle des trucs amoureux, tu me parles de quoi? Et je te bloque pourquoi? C'est mon passeport quand je me suis mariée. Ne jamais perdre famille de Français quand je me suis mariée. Moi, j'ai tous mes passeports. Voici mes passeports aussi. Famille de Français. Et j'ai beaucoup voyagé avec. À l'époque, on mettait la carte de séjour dans le passeport. Je suis une ancienne gringo. Voilà le deuxième. Il y a d'abord celui-ci. Après celui-ci. Et après, on te donne 10 ans. Est-ce que vous croyez que je suis comme vous? Ça, c'est le passeport alors que j'avais fait ici. Ou c'est au Cameroun, ou c'est ici. Il m'avait fait ça à l'ambassade ici. Oui. Ça m'a donné tout. Ça, c'est l'autre passeport, mais celui-ci, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Visa partout. Ça, alors celui-ci que je dois aller refaire, parce que celui-ci est fini. Donc là, il faut que je passe mon passeport. Il est fini, Mika. Il est fini le 26 novembre 2023. Donc, il faut que j'aille. Je n'ai plus de passeport. Tu fais des visas partout. Les gens me parlent, vous parlez souvent qui? Vous et moi, on est pareil. Je suis madame veuve de Grémont. Voici mon livret de famille. Et quand vous voyagez au pays, on peut te voler ton passeport. On peut te voler ta carte de séjour. Éviter. Rien que ça, vous faites revenir en Europe. Ça, c'est un papier officiel. Un papier officiel. On est pareil. Il y a cas par cas. Voici mon tour de vaccination. Voici mon acte de naissance. Moi, je suis méticuleuse. Hein? Moi, je ne suis pas la carte qu'on dit souvent que oh, vous êtes joyeuse. Pardon, attends, où est mon truc là que j'ai acheté? Il faut que je change mon tour de passeport. Je vais mettre au prêt. Eh oui, moi je parle de moi. Les histoires des réseaux sociaux, là, on oublie un peu ça. Parce que la dimension que ça est en train de prendre là. Après, je veux mettre passeport français. Pour faire quoi? J'avoue, joyeuse, là, j'ai ma carte de séjour de 10 ans. Voici ma carte de séjour. Vous croyez que je suis comme vous? Celui-ci tenait aussi comme. 2025. Donc j'ai encore 2 ans. C'est ma carte d'identité camerounaise. Ma carte vitale. Eh oui. C'est cas par cas, je ne suis pas comme vous. Moi, je sais que je suis une personne dont je dois faire attention à mes choses. Et ça, ce sont les émeraudes que mon mari m'a offert. Et là, je les garde pour Enamungwe. Je vais lui faire des petits boucles avec. Émeraudes. C'est pour Enamungwe. Eh oui! Moi, je parle de moi. Pour une fois, parler un peu de vous. Votre vécu, votre passé à Facebook. Les gens qui ont des dangers, qui sont depuis des femmes et tout, vous les dérangez, les gens à Facebook. Bon, réveillon à vous. C'est demain que moi, je fais mon réveillon. Demain, c'est le réveillon de la bonne joyeuse. Demain, c'est le réveillon de la veuve joyeuse. J'ai déjà mon habit de réveillon.
veux te congeler en tête de chèvre. Ah, moi, la chèvre. Demain, toi, on va se battre. J'ai acheté une grosse tête. Vous voyez, ça, c'est la tête de la chèvre. Là. Demain, je veux parsemer ça à mon image. Je vais appeler à moi la chèvre qu'elle est mangée avec moi. Moi, je m'adore parce que moi, je parle de moi. Je ne parle pas des autres. Vous ne pouvez pas parler de la vie des gens. Vous partez là, vous partez parler. La vie, je ne vais pas les servir si vous prenez. Est-ce que vous savez ce qui est marrant dans tout ça? Comme ce qui m'est arrivé avec la petite bonus qui avait pris le père de Tissa qui est moi là. Souvent quand on était ici, quand on parlait de cette histoire, Eva, qui ne me connaît même pas, qui n'était même pas là quand j'ai vécu avec le père de Laetitia, elle me contredit. Elle me dit, non, c'est moi qui vivais avec lui. Toi, je ne te connaissais même pas. Je ne t'ai jamais invité chez moi, je ne te connaissais pas. C'est ta soeur qui m'a fait te connaître, mais que, ouais, j'ai le sida. Je dois rentrer au village où soigner. Ça, c'est ma soeur. Garde un nez sur elle. Oui. Et la façon que souvent elle va parler de moi, c'est comme si elle est mon tellement, comme si elle me connaissait. Non, alors qu'elle ne me connaît pas. Je suis ici avec vous depuis des années à Facebook. Vous me voyez sortir. Aller faire les histoires dehors. Vous me voyez faire. Il faut parfois que vous me suivez depuis des années. Il faut quand même regarder mon comportement un peu. Aujourd'hui, j'ai encore bien écouté quand elle est partie parler de moi chez la reine Mimbio. J'ai dit, mais attends, ça c'est une psychopathe. Les psychopathes sont nombreux ici. Non? En tout cas, que cela fasse mal ou pas. Même si je meurs maintenant, je sais qu'au moins, j'ai quand même vécu. Et je sais que le grand degré, moi, m'attend là-bas. Il va m'accueillir là-bas avec des fanfares. Dans la joie. J'ai mes grands-mères là-bas qui m'attendent. Pour moi, j'ai fait ce que Dieu disait. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Je me suis battue comme j'ai pu. J'ai mis ma pauvre famille dans la lumière, dans la propreté. Vous savez que dans la famille, il y a toujours deux côtés, non? Il y a un côté qui est riche. Et il y a un côté qui est pauvre. Malheureusement, moi, j'étais le côté des pauvres. La première maison que j'ai mise sur terre, okay. Mes maisons qui étaient riches, j'étais déjà jaloux de moi. J'ai construit. Et oui. Avec mes fesses. Efficace. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Et oui. Si vous demandez à Joël Bonne, que pourquoi Joël Bonne n'est même pas. Parce que vous savez, moi j'ai connu l'étoile seule. Donc personne ne m'a amené là-bas. Moi j'ai dit, mais je vois comment les filles montent dans les voitures. Passe. J'ai dit que, hein? C'est comme ça alors que moi, j'ai dit que je m'avais m'installer là-bas. Je suis devenu chef terre. C'est parce que je vais répondre même pas. Parce qu'elle et moi, c'était grave là-bas. Qui? J'avais un courage que parfois moi je ne savais pas. J'avais un courage, je m'en foutais de tout et tout. Et quand les clients s'arrêtaient, la première personne qui doit prendre, c'est moi. Et la courte chose, j'ai menacé tout le monde là-bas. J'ai dit, hey, dès que je pars, après vous prononcez. Je ne parle pas de la mort, pourquoi? Vous savez, il faut bien parler aussi de la mort parce que la mort, il ne faut pas éviter parce que la mort existe. Pourquoi je ne parle pas de la mort? Pourquoi? Toi-même, tu vas finir où? Dans les quatre planches, 2 mètres sur terre. Pourquoi on ne peut pas parler de la mort? La mort, c'est... On est condamné à mourir. Tu vas parler de la mort, tu vas que ce sera éternel, toi. On ne parle pas de la mort, pourquoi? Hein? Ça ne veut rien dire. La mort existe, il faut bien parler de la mort. Je ne parle, quand je parle de la mort, je ne parle pas que c'est moi qui vais mourir. Je parle de mon mari, de mon faux mari. Je pense à ce moment, mémorise. Je parle de ma vie avec lui. Et alors? Tu vois que tu vas finir où? Tu sais que demain tu vas voir Jésus? On ne sait jamais. Il faut bien parler parce que tu es quand il a dit qu'aujourd'hui c'est toi. Que tu battes les ailes ou que tu fais quoi, tu supplies. Tu es parti. Bah oui, il y a quoi? Il y a quoi?
ne parlez pas des mots. Les mots, c'est quoi? Ils ont hésité. Donc, ne pas parler des mots, ça veut dire que tu veux effacer ton passé. Ça veut dire que tu ne vas plus penser peut-être à ton mari ou bien à ta maman ou bien à quelqu'un que tu aimais. Il faut bien penser à eux. Ça ne vous arrive pas de penser à vos cousines ou vos oncles ou bien vos grand-mères ou bien les gens, même vos amis que vous avez aimés qui sont partis. Parfois, il faut penser à eux. C'est l'esprit. Ce qui est marrant, c'est que vous prenez toujours tout un peu. Vous avez toujours peur de tout. Vous avez peur de quoi? La mort, ici, il faut bien parler. Là où je suis, moi, j'ai pris mon assurance obsèque. Hein? Si moi, je dors maintenant, je ne veux pas entendre que oh, vous cotisez pour la vie. On ne cotise pas pour moi parce que j'ai pris. Et je paie tous les mois. On parle des gens qui nous ont aimés, qui nous ont quittés. À l'époque, nous sommes les 24 aujourd'hui, j'allais à l'église là-bas faire les prières pour mon mari et je pleurais quand le prêtre prononçait son mari, ça me faisait mal. Vous avez déjà vécu avec quelqu'un, il part, il vous laisse, il abandonne. Ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Hein? Très dangereux. Et la porte qui arrive, oh, et les amis qui ne sont plus tes amis, tout le monde te regarde de travers. Oh. Tu traverses un moment de dire ok. Et c'est là que tous les problèmes arrivent, les problèmes d'argent. On te dit, signe ce papier, si tu veux avoir l'argent, signe ce papier, fais ceci. Et tu oublies de prendre l'argent pour comprendre ce qui se passe. Donc vous, d'ailleurs, quand même, vous ne pensez pas, il faut penser. Mais oui, eux aussi, ils aimeraient bien. Parce que peut-être qu'eux aussi, leur esprit pense à nous. Bah oui. En tout cas, une comme moi, tous les gens qui sont morts dans ma famille... Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Ils m'ont aimé comme je les ai aimés. Je les ai soutenus comme j'ai pu. Donc, eux nous commencent, moi, je sais qu'ils vont m'accueillir là-bas au paradis. Ça fait mal, hein? Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez seulement comme ça. Tu vis avec un homme. C'est ton mari que tu as aimé. Peu importe comment votre relation était. Mais c'était ton mari qui t'appartenait. Tu l'appartenais. On joue comme ça à la fleur de l'âge. Donc, il est mort. Tu te retrouves là. C'est lui qui payait tout. C'est lui qui faisait toutes les finances. Je ne connaissais rien. Il fallait voir. En tout cas, moi, je ne vous souhaite pas. Hein. Moi, je souhaite que vous vivez avec vos maris éternellement. Mais malheureusement, on a appelé à mourir, soit toi, soit lui. Et il faut faire attention. Moi, j'avais une belle vie. J'étais bien avec mon grand. Laurent, quand je voulais aller flatter, Laura, j'étais bien avec mon mari. Il m'aimait, il aimait mes enfants, il aimait ma famille. Malheureusement, on avait les projets, il est bon à la fin de l'âge et me voici. Oui, dans la vie, c'est comme ça. Donc, vous pensez que... Moi, je veux penser à mon mari. Même si la pitiation qui vit à Reims l'a dit que je... Lolo, moi, j'ai connu une vie de couple. Au Cameroun, j'étais en couple. Ici, j'étais en couple. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait dans ma vie. C'est Dieu seul qui sait. Parce que je ne peux pas dire que je ne veux pas accuser quelqu'un que c'est la personne qui a fait, non. C'est Dieu ce qui sait, ce qui me réserve plus tard dans ma vie et ce qui s'est passé. Peut-être que quand je vais mourir, il va me dire peut-être que j'ai fait, peut-être que dans mon passé antérieur, j'ai dû faire du mal à quelqu'un, peut-être que j'ai dû faire du mal, ou bien j'ai tué les gens pour avoir ce genre de pénitence que je suis. Mais malgré tout ça, ça fait quoi? Au moins, j'ai un peu une belle vue. J'ai quand même la tour Eiffel. Il y a les riches qui peuvent mourir, qui peuvent payer pour vivre là où je suis. Parce que ça, c'est le budget. Là, c'est beau là-bas. C'est, regardez la tour Eiffel. Alors, nous, là-bas, je vais aller fumer. Il y a les gens qui peuvent mourir pour rien qu'avoir la vue que j'ai. Bah oui. Ouais, en plus, la tour Eiffel, tu vois comment elle brille là. Elle a allumé, c'est la tour Eiffel là-bas, elle brille. Regardez. Au moins, là, je respire. J'ai ma tour Eiffel. On me dit que oui, une tour Eiffel, que je contemple les lois. Au moins, moi, j'ai ma tour Eiffel. Oh! Oh, bon réveillon, vous. Hein. Voilà la tour Eiffel. J'ai mon balcon, la gloire glorieuse. La vue que j'ai, les milliardaires veulent voir ça. Quand ils se réveillent le matin, ils veulent voir la tour Eiffel. Voilà ce que j'ai. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils trouvent qu'en face d'eux, il y a seulement les murs. J'ai une belle vue. Il a dit Dieu merci. Hein?
Ils m'ont mis ici parce qu'ils savaient que j'étais une femme très classe et tout. Alors. Vous avez vu, non. Là, maintenant, elle s'est arrêtée. Elle t'a tout fait s'arrêter. Non, on me parle. Regardez. Un quartier calme comme ça. Regardez. Il n'y a pas la racaille ici. En tout cas, là, tout est fait. Vous souhaitez joyeux Noël. Mm-hmm. Ben, c'est tout. Et vous allez me parler. En tout cas. Welcome, welcome, welcome to the kitchen. Elle a préparé la cuisine là. Lolo pipi. Lolo pipi a déjà préparé la cuisine là. La cuisine témoin. Welcome, welcome, welcome to the kitchen. Oui, c'est la dame de fer de Paris. Bah oui, c'est. Bah si tu vois, c'est impressionnant. Il faut aller en bas, il faut aller visiter la tour, c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est magnifique. Oui. Welcome, welcome, welcome to the kitchen. Lolo, tu as prévu quoi pour demain, pour ce soir? Une cuisine qu'on est venu placer. Que le bailleur a dit que comme tu vas partir bientôt, bien que je fasse avoir la cuisine, tu veux me parler, moi. Parce qu'elle dit que oui, c'est là qu'il y a. J'ai publié ta photo, mais il faut comprendre que c'est pour qui c'est jaloux. La loi vient d'être adoptée. Moi, j'ai publié tes photos, oui. Mais n'oublie pas que toi aussi, tu as. Il y a les vidéos là où je suis habillé en grillage noir. Là où bien il y a quoi qui parle ici. Tu avais mis ça à Facebook. Je peux te sortir cette vidéo. Là où tu montres ma nudité à Facebook. Mais malheureusement, comme j'étais tellement mignon, donc. Moi, je m'en fous. Et je vais te dire de l'autre. Il n'y a pas que moi, c'est qui a publié ta vidéo. Nous sommes trois. Il y a un Kankam. Kankam, Demanou et moi. Nous tous, on a fait les vidéos en montant ceci. Donc, comme tu dis là que tu as me porté. Va porter plainte, c'est là pour ce qu'il dit donc. Comme les nouvelles. Ça, c'est les nouvelles lois, c'est maintenant. Si je mets maintenant encore ta vidéo là, c'est là que. Ou ta photo, c'est là qu'on peut, que je parle peut-être aller en prison. Comme tout, c'est toujours moi. Vas-y. Regarde-moi ceci. Président, tu es parti au pays. On ne t'a pas vu. C'est de grogne là. Comme on appelle le mandendon du zoo. On ne l'a pas vu. Donc, mandendon, tu n'es pas parti à Yaoundé. Au baptême des filles de Yakuba. Donc, vous voyez seulement à Facebook. Alors qu'on ne vous invite pas. Les noms événementiels. Lolo et Marco, noms événementiels. Tu as dit que tu parles au Cameroun, pas non? Tu as dit que tu cotises 2000 euros par mois. Ouais. Pas un peu faire un tout là-bas. Ok. Moi, c'est noir chez moi, toute l'année. Regardez. Toute l'année, moi, j'ai déjà noir ici. Je discute avec personne. Ouais, Lolo, elle a mis la vidéo où elle avait protégé bien. En tout cas, la femme de policière. Moi, Jean, tu l'as trop fait. Malgré que tu as dit qu'elle ne peut vivre ton mari, mais ton mari, quand même, protégé bien, a quand même appelé Reven Biaï l'autre jour. Eh oui, en tout cas, toi-même, tu sais que tu es épousé. Moi, je pense que protégé bien adore Lolo, hein. Eh oui, moi je oui, pour décider à M. Lolo, oui. Tu fais une sortie. Tu viens me chercher si on va l'attraper là-bas, arrête. Du manière bon. C'est tout. Tu es la fille d'un colonel. Lolo met les pieds là-bas, peut-être une épée. On lui verse nos cordes dans une cellule là-bas, on le tape d'abord bien. Après, on la libère. Dis donc. Donc, une fille boule comme toi. Moi, donc, Jonah, Lolo, continue avec ton mari. Moi, je te parle aujourd'hui, la fortune bien. Tu vois comment on peut faire ça?
Jamais. Jamais. Je me défends. Et quand ils font là maintenant comme si c'était et Nagin. Oui. Quand Apolline Ngolo allait dans le trou de Rembe, quand Apolline Ngolo est sorti, il était avec elle. Ok. Oui. Et qui on appelle? Son beau-père, Paul Désibé, appelle. Paul Désibé était avec Apolline Ngolo, ils appellent. C'est quoi ça? En tout cas, moi, peut-être, ou bien parce que j'ai grandi avec ma famille, mes grands-mères, parce que qui? Ils font là maintenant comme si tu nagais. Toi, tu écris que tu ne veux plus que l'autre fasse ceci. Lui, il est toujours avec eux. Il faut lui parler, sinon, comme Paul Désibé. Parce que moi, j'ai peur que je ne parle encore mal de lui, là, on m'arrête encore au pays. Paul Désibé, mon petit frère, toi-même, tu sais ce que tu cherches avec Lolo. Si Lolo t'a dit qu'il avait des informations. J'ai tellement dormi, je dis que même que sinon il est encore fatigué. À force souvent de trop dormir aussi, après tu es encore fatigué. Je te dis. Là maintenant, il faut maintenant que je pique mon médicament sur moi. Hey. Les gens m'insultent. Les gens disent que je suis parti faire appel à Kali. Pourtant, est-ce que quand on fait appel à Kali, on se jette encore les nucléaires dans ton. Vraiment. Aujourd'hui, on évite un peu les histoires de la toile. Moi, je parle de ma part ici. J'en ai marre de leurs histoires. Les Bassa, ils vont régler leurs problèmes entre eux. J'ai parlé de ma part. Ils m'arrêtent là. C'est bon. J'attends accueillir par Jésus. Il va naître dans quelques heures là. Je dis, hein, qui dit même que Jésus est né à minuit? Qui dit ça? C'est écrit ou que Jésus est né à minuit? Normalement, demain, c'est l'anniversaire de Jésus. 33 ans. Oui. Et il est mort à 33 ans, non? Ok. Et à 33 ans, ce jour qu'il est mort, c'est le jour du deuil. Il est funéraire et tout. Vous ne réfléchissez pas un peu? Hmm? Jésus est né, le jour le 14. Le jour le 14, même si j'ai 48 ans, ce jour que je nais, c'est le jour de mon anniversaire. Hmm? Vous n'avez pas remarqué les mesures là? Je suis Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Est-ce qu'il y a Jésus dedans? Est-ce qu'il y a Jésus dans la chanson là? Les gens ont masqué jusqu'à dire qu'il est né. Est-ce que qui dit bien que Jésus est né là ou il est né là? Parce que, alors, comment je gère à dire les conneries? J'ai fatigué. J'ai bu mon petit médicament tout à l'heure, ça commence à me prendre la tête. Moi, est-ce que c'est son anniversaire? C'est tout. Et qui dit même que, est-ce qu'à l'époque, oui, nos grands-mères sont nées à l'époque, qui calculait l'âge de Jésus? Qui calculait? Qui sait même si Jésus est mort à 33 ans? Les gens colmatent les choses, on dit qu'il est mort à 33 ans. À l'époque, il savait, est-ce qu'il y avait des dates de naissance pour savoir qu'il est né le 25 décembre? Maman, c'est le public, c'est qui. Les pipis, ils me dérangent jusqu'à où? Ouais. Les pipis.
lieu de prier quand on fait l'anniversaire de Jésus, c'est que nous, on fait nos anniversaires. Me voici. J'ai déjà 48 ans. Jésus a toujours 33 ans. Mais oui, on dit que les chefs de l'Orient, ils ont vu l'étoile au ciel. L'étoile les a guidés. En tout cas, c'est eux qui savent ce qu'ils font de choses. Moi, je sais que c'est l'anniversaire de Jésus à minuit. C'est tout. C'est tout. Vos histoires là, j'ai déjà 48 ans. J'ai déjà toujours 33 ans. En tout cas, c'est pour eux là-bas. Je suis fatigué avec les histoires d'église. Vous savez, quand je vais commencer encore les histoires d'église, ils vont dire, là-bas, je vais commencer avec les histoires d'église. Non, c'est pour chauffer la toile qui a tellement eu trop de choses de rien temps-ci. Que ça fait même fort aux yeux. La baisse, ça m'est. J'espère que votre occupation va rester avec vous longtemps pour te nourrir. Parce que parfois, je reste ici. La baisse, ça me fait. Prenez, m'insulte. Parfois, je dis que le type, il m'insulte même. Pourquoi? La baisse, ça va me dénigrer chaque temps. Il est né à Bethléem et il a grandi à Nazareth. Écoutez, c'est les Juifs même qui ont tué Jésus. Jusque-là, ils sont toujours riches. Les sept familles qui gouvernent ce monde, ce ne sont que des Juifs. Oui, Dieu les a quand même aidés, aimés. Les Juifs, c'est les milliardaires, c'est eux qui tiennent le monde. Du Camé, non, je vais parler avec du Camé, c'est bon. Pour l'instant, demain c'est le 25, donc c'est Noël, donc moi je préfère qu'on se calme un peu avec la toile là, parce que c'est j'ai trop bavardé ces derniers temps, pour moi c'est bon là. Donc, si eux, ils veulent continuer avec leur frère Bassa pour l'insulter, pour l'humilier, qu'ils continuent. Moi, je suis plus mal dedans. Un peu de respect quand même pour notre Jésus. Non, mais hier soir, je vous ai dit ça, non, que moi, je ne veux plus. Oui, donc, parce que je voulais seulement entendre seulement un seul voix. Et j'ai entendu la voix, donc pour moi, c'est bon. Coucou, bonjour. Bon réveillon à toi. Tu sais que moi, c'est demain que moi, je fais mon réveillon. Moi, je marche pas aujourd'hui. C'est demain. Maman a dit, mais bon, à Kiti. Coucou, bonjour, madame. Ah oui, ça veut dire quelque chose, ça va? Ça va bien. Non, c'est demain que moi, je vais faire ma palais la journée. Oui. Hein? Ok, laisse-moi l'histoire là. C'est une ancienne vidéo, j'avais fait ça en 2019, c'est une ancienne vidéo. Là où je danse là. Mais je la remets souvent, je la remets toujours tous les mois, je la remets toujours. Bah oui, c'est Antoine Bacho qui m'a remis ça demain, comme hier il a mangé ici. Valérie, comme Antoine Bacho a mangé ici hier, c'est lui qui m'a remis ça hier. Ben oui, mais c'est un connard. Attends, Cameroun, j'ai pas fait, c'est un connard. Il me capture seulement là où c'est déchiré, il va mettre dans sa page, est-ce que c'est bien? Non, il veut que je parle de lui dans mes vidéos, je ne parle pas de lui, il a fait ce qu'il a fait, là, moi, je ne veux plus. Il sait tout. Il faut appeler ma chère, dis à ma chère de ma qu'elle m'appelle. Hein. Qui? Et ton fils, Eke, il est beau. Eke, bonjour. Il est où? C'est ton fils, ça? Oui,
Ok. Il est... Tu as quel âge? Il est beau, hein, putain. C'est quoi? Ça te regarde? Mais il est beau, moi je demande son âge parce que j'ai les enfants aussi. De, ok. Que bien avant celui que tu me dises. En 2001. Il est beau, hein? Donc, il fallait regarder les grands enfants métis comme ça. Je ne savais pas, hein? C'est bien ça. Parce que toi, tu caches tes enfants, hein? Toi, tu caches ta vie, hein? Oui. Eh ben. Eh ben, dis donc. Il est très beau. Eh ben. Eh ben, c'est bien. Valérie, on voit les beaux enfants métis, hein? Eh ben, dis donc. Dis de moi, toi, parce que je veux montrer pourquoi. C'est ma soeur, c'est entre elle et moi. Je vous montre. Je suis en direct. Bien sûr. Ben, je suis... Non, mais je ne l'ai pas montré. Je ne l'ai pas montré. Je suis en direct. Tu sais que je suis en direct. Tu sais que je suis en direct. Je suis en direct. Non, je dis en direct que non, les histoires de la toile, là, moi, je suis fatigué. Moi, je ne parle plus de ça pour l'instant. Comme c'est le 24, le réveillon et tout, on oublie un peu ces choses-là. On avance souvent un peu. En tout cas, bon réveillon, ma soeur, à bientôt. Joyeux Noël. Ok, tu sais aussi bon réveillon, hein. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous, bisous, ouais. Merci. Ah oui, mais Valérie Amouga, les grands enfants, mais tu sais, waouh. Elle a les beaux enfants, hein. Ils sont grands, hein, Valérie Amouga. Voilà alors, les gens que vous maîtrisez, ça, vous méprisez à Facebook. Elle a une famille, hein. J'ai vu sa famille, ses enfants sont tous métissés, hein. Putain. Eh oui. Eh, Ducamé. Ma personne dit un peu en cause un peu, mais ne parle plus des choses de gens là, hein. Parce que moi je ne veux pas les problèmes avec les gens là. Oui, il est beau, hein, le fils de Valérie Amour. Ouais, il est. Ducamé, soutien total à Ducamé. Ducamé, je ne t'attends pas, hein. Mais tu es où? Oui, attends, tu n'arrives pas. Tu vas voir les bains. Non, mais il est beau, hein? Il est beau, il est grand, il est comme les Américains. Eh ben, dis donc. Il est né en 2001, donc nous sommes en 2023, donc il a, disons, 22 ans. Eh ben, Valérie Amouga, les enfants, hein. Tous métis, il m'a montré tout, ils m'ont installé, eux tous sont là-bas. Ah oui, hein, bah, c'est bien, ça me fait plaisir. Je me souviens aussi à une époque, quand je m'appelais Diva de Roche, et il y a eu un problème à Facebook. Les gens m'ont détesté parce que je me filmais avec mes enfants, je montrais mes enfants, et il y a eu un problème. Jusqu'à on m'a accusé que j'ai fait un enfant au Ebonova. Que j'ai fait un enfant, que je l'avais accouché à 30, je l'avais accouché à quel âge, parce qu'à l'époque j'avais 38 ans. Donc en fait, on m'a fait ça du parce que les gens étaient jaloux de moi jusqu'à. Parce que je. Moi je voulais que ça, moi j'ai fait mes enfants métis. Ben oui. Vous voulez que je montre quoi? Je veux montrer les enfants noirs, est-ce que j'ai fait les enfants noirs? Tout le monde montre sa part qu'il a non. Ça gênait les gens. Ils sont partis prendre une petite fille. Ou bien, ils ont trouvé la petite fille là où une petite fille, Bamoun, elle me ressemblait comme deux gouttes. C'est une histoire. J'ai regardé la petite fille. Elle me ressemblait comme deux gouttes, la petite fille là. Après, la façon comment elle insultait, on m'insultait tellement. À un moment, j'avais dit peut-être dans ma tête que j'avais appelé ma mère. J'ai dit, maman, est-ce que peut-être que j'ai dû accoucher parce qu'ils m'ont traumatisé. Facebook est fini. Hey! Ici à Facebook. La haine, c'est les Camerounaises. À l'époque, il n'y avait pas. Il y avait la bande de la Suisse, dans les Coco Lago, les Biolo, les Orang, et tout ça.
On appelle ça partout le Zouk. Après, Fleur de Lille arrive en sang. Et moi, j'étais déjà dans les réseaux sociaux. On m'a accusé. Les gens m'ont insulté. Oui, tu n'as même pas honte. J'abandonne l'enfant au Cameroun parce qu'elle est noire. Tu préfères te pavaner les enfants métis. J'ai pleuré. Je n'ai pas d'enfant noir. Je n'ai jamais eu. J'ai 38 ans. Et donc, j'ai accouché un enfant à 8 ans. Moi, je suis boulot de Samanima. Je ne suis pas boulot de Bolova. Les gens ont cru. J'ai été copieusement net. On m'a tellement insulté. Tu vois un peu la jalousie. Ils étaient tellement méchants. Et comme aussi, avant, comme j'étais une femme qui mettait que des marques, donc, quand mon mari est mort, j'ai continué à vivre. Je vivais comme si. Tu vois un peu. J'ai mis les beaux vêtements, les Burberry, les Chanel, les Dior. J'avais tout le paroplie. J'avais une belle garde-robe, j'avais les sacs très chers. Et moi, je montais ça aussi. Parce que c'est ce que j'avais. Vous voyez comment on dit que acharnement. Les gens vous insultent sans vous connaître. Les gens m'ont insulté. À l'époque, là, j'achetais encore les terrains. Quand j'avais filmé que voici ça, j'ai acheté mon terrain. Les gens m'ont incité. Regarde-moi celle-ci. Les gens montrent les immeubles qu'ils construisent. Toi, tu viens montrer les terrains. Avant de construire, mais il ne faut pas acheter les terrains, non. Aujourd'hui, tout le monde montre ses terrains à Facebook. On m'a fait du mal. Hein. Oui. Mais je ne sais pas. Ou parce que j'avais fait le déni, Parce que c'était pas vrai déjà. Et puis je m'en foutais quoi. Parce que je m'en foutais parce qu'on m'insultait. Quand j'allais dans les soirées, les gens, rien que même si j'ai fait seulement un faux pas, c'était déjà dans Congo Saba. Il n'y avait pas les commentaires. Et puis les gens étaient très étonnés parce qu'eux, ils me connaissaient, moi, ils ne savaient même pas que j'étais populaire. Il y avait Congo Saba, ou ce bar, Congo Saba, ou ce. Et il y avait le bar. La bar, mais. Congo Saba authentique. J'étais là, coqueluche. On m'insultait. On me filme même dans la rue. Tout ça pour déverser la haine. Et comme moi, j'avais les beaux sables, les Chanel, les Hermès, les trucs. Et pour moi, c'était vrai. Moi, je mettais que ça. Donc, je dis que j'ai eu une. Dans ma vie, parfois, je dis que peut-être que j'ai dû tuer quelqu'un dans ma vie antérieure. Ou bien j'étais méchante. On m'a choisi comme ça. Ils m'ont donné un nom, Veuve Joyeuse. C'est elle qui m'a donné un nom. Après, on m'a filmé avec la drogue. Ils m'ont surnommé que Ma Foufou. Dégré pute. Quel nom je n'ai pas eu? Ma Crapaud. J'ai eu tous les noms. Mais moi, je m'en foutais. Oui, on appelle ça harcèlement gratuit. Oui, je pouvais me suicider. Est-ce qu'elle était que chaque fois que j'entrais dans les restaurants et ils me connaissaient, moi je savais pas que j'étais populaire. Les gens disent, mais la fille qui est ici, elle ne veut pas connaître maman. Les filles étaient. Les Camerounais sont méchantes. Elles s'acharnaient sur moi. C'était pas possible. Elles décortiquaient mes fins et gestes. Ça peut vous arriver, vous savez, vous qui me regardez là. On vous prend. On va vous placer dans un truc. On commence à vous insulter. Oui. Comme ils n'avaient rien contre moi, ils m'ont accusé que j'avais un enfant. Je suppliais, je pleurais que je n'ai pas d'enfant noir. Les voilà, maman. Est-ce que tu connais comment les Camerounais sont là? Oui. Comme ce sont tes enfants métis, eux que tu montres, et ta fille qui est noire, la petite fille là. Et c'est comme ça alors qu'il y a eu un problème. Parce que comme c'est Kwe Koutou qui avait ce tout-là, Kwe Koutou avait filmé une petite fille qui était mariée à un de ses cousins. C'est comme ça qu'un de ses cousins m'appelle. Que j'ai mis la photo de la fille que je ne te connais pas. Essaie de m'appeler pour voir un peu ce qui se passe. C'est son mari, un gars Bamoun qui m'appelle. Il me dit que mais je vois la photo de ma femme sur les réseaux sociaux, ce qui se passe. C'est comme ça que je l'explique. C'est lui maintenant qui m'a d'abord dit que oui, il y a sa tante là-bas qui est là-bas. Elle a donné un autre nom. Pourquoi tout c'est le nom d'emprunt comme Valérie, quoi. Oui. Moi, je ne savais pas. Et comment je sais que je me suis battue. À Facebook. Parfois, je vais ce que je dis, mais pourquoi moi? J'étais utilisateur de Facebook comme vous. J'ai dansé,
Je danse, j'avais mes petites vidéos. Je m'en foutais de mes vues. Je dansais. Moi, j'étais une danseuse parce que j'aimais bien bouger et tout. Quand les gens m'ont fait la jalousie. Quand Ngossa et moi, on a bagarré. Il faut demander à Ngossa. J'avais écrit dans mon ministre quoi. Lyosin. Lyosin. Et comme à l'époque, Fleur de Lille est parti avec plus Bino. Papa, je ne peux pas confirmer. Filmer le camion rouge de Ngossa. Ça s'appelait que Lyosin, là où le Dwenga Babila, Lyosin. Et moi aussi, pour m'amuser aussi, moi j'ai écrit ce matin, j'ai pris une banderole que j'avais mis bien, que j'ai écrit lieu saint. Mais c'est ma maison, c'est un lieu saint. Ah non. Jusqu'à quand Ngossa et moi, on arrivait à la bagarre. À cause, parce que j'avais écrit lieu saint. Ce que j'ai vécu. Parce que je ne pense pas que vous qui me regardez là, vous vivez ça. C'était harcèlement moral. Tout ce que je mets seulement une photo dans ma page, je n'insulte pas. Ils recopient ma photo, ils partent placer ça dans leur bar. Bah, mais il y a qui aujourd'hui? La veuve joyeuse. Regarde là. Elle manque. C'est un faux sac. Tous les injures du monde sont passées sur moi, gratuitement. Pour rien. J'avais 38 ans. Et la petite fille avait 30 ans, donc ça veut dire que j'ai accouché à 8 ans. Côté vient dire, oh, je demande pardon, je ne peux pas accepter. J'ai été malmenée, les gens me disaient que j'étais une mauvaise mère, comment ça se fait que j'abandonne ma fille noire au pays, et je fais venir les enfants métis. J'ai pleuré après que je me suis mis à genoux, que je vous en supplie, je n'ai pas d'enfant noir. Et Koukou était là. Aujourd'hui, elle me demande pardon pour ce qu'elle m'a fait. Je me suis fait insulter copieusement. Il y avait même parfois, parce qu'à l'époque aussi, je voyageais beaucoup pour aller au Cameroun, et tout, je faisais souvent certaines choses-là. Parfois, même dans l'avion, j'avais peur, j'avais honte d'entrer dans l'avion. Le fait qu'on va me reconnaître, quoi. J'avais honte. Parfois, quand dans l'avion, je mettais un chapeau, les lunettes, je faisais tout vite pour aller vite m'asseoir dans ma pièce pour que les gens, parce que j'avais peur. J'avais honte. Parce qu'elle m'insultait tellement. C'était des injures gratuites. Oui. Il y en a aujourd'hui, il y en a plein qui m'ont fait ça. Moi, je ne les en veux pas. Peut-être qu'à l'époque, c'était mal dans leur peau. Peut-être. Je l'avais peut-être parce que je me suis. Non, moi alors, pour moi, c'était dur. Quand tu regardes 3000 commentaires, tu veux seulement lire comme ça. Des injures. Oh, il faut la regarder. Avec sa tête comme le parpaing. Après, comme les coups de poing. Avec la tête. On me lavait. Et comment les poches étaient toutes belles. Je m'habillais bien, très coquette. Champagne, les cheveux, j'ai dit le bouchon et tout. Ah oui. Ils m'ont donné une veuve joyeuse. Et j'étais joyeuse. Parce que je dansais, je m'occupais. Je ne connaissais même pas insulter. J'étais tellement malheureuse que je ne connaissais pas insulter, je vous dis. C'est après maintenant que je regardais les autres vidéos. Quand les filles insultent, je commence à mémoriser les injures. Et c'est comme ça que je suis devenue clasheuse internationale. Je suis. On dit même souvent que les gens vont te détester parce que j'étais quelque chose de mal. Rien du tout. Rien du tout, je ne faisais rien de mal. J'étais à Facebook comme tout le monde. Ou bien parce que je montrais un peu ma vie, ou bien parce que j'avais marché dans les beaux endroits, les endroits chics, ou bien parce que je voyageais beaucoup, je ne sais pas. On m'a fait sentir. On me traquait comme les paparazzi. J'étais devenu star à Facebook. C'est après que j'ai dit que c'est quoi? Je me suis alors rébellé. J'ai commencé aussi à insulter beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Eh oui. Donc, ce qui m'est arrivé là, ça peut vous arriver. Mais il y a certains qui forcent. Comme Lolo force parce que c'est Ngossa qui l'a fabriqué. C'est Ngossa qui l'a fabriqué. Oui, elle a commencé à insulter Fleur de Lille pour rien. Oui. Elle a commencé à insulter Fleur de Lille pour rien. Ou je ne sais pas où elle voulait entrer la team de Fleur et que ça ne s'est pas bien passé là-bas. Elle s'est retrouvée chez Compressor et comme Compressor avec Fleur, c'était tout dans les bagarres et tout. Et oui, elle a commencé à insulter Fleur. Et je lui ai dit qu'il m'attend, hein, mais crée ta page. C'est moi qui a demandé qu'elle crée sa page. Elle a créé sa page. Le mois qui suivait, c'est moi qu'elle a commencé à aller avec Compressor jusqu'à aujourd'hui. Bah oui. Donc Loulou, non, elle n'est pas comme moi que
Ce sont les gens des réseaux sociaux qui m'ont fabriqué, vous voyez un peu. Parce que moi j'étais fabriqué par les réseaux sociaux, oui. Bah oui. Moi, j'ai mon blog à moi, tout seul. Il n'y a personne qui peut dire là que non, non, c'est grâce à. Parce qu'ils m'entendent que. Non, c'est Fleur de Lys. C'est grâce à Fleur de Lys que vous connaissez, pardon. Moi, j'ai déjà connu, que ça soit au Cameroun, que ça soit ici. Au nom de Valérie Bonneau. Valérie Bonneau, vous voyez que j'ai connu, ça c'est mon prénom aussi. Oui. Oui. Mais c'était dur. Hein. Sachez que ça peut vous arriver. Oui. Ça peut vous arriver. On vous choisit comme ça. On va vous placer là-bas. Aussi, peut-être que vous connaissez peut-être quelqu'un qui connaît ce monde-là et que vous avez les problèmes avec Dieu. On va aller pas. J'ai pleuré, j'étais comme une gamine. La dépression. On m'a. Tout le monde, les gens m'accusaient. Je me défendais. Le jour, le lendemain, comme par hasard, il n'y avait plus les photos de la fille, ils m'ont lâché un peu. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, où je vous parle, il y a certains Camerounais qui savent que j'ai abandonné un enfant noir à l'école. Ou bien, je pense qu'ils me confondaient avec Mathilde Blanc, peut-être. Hein. Parce que moi, je suis. Peut-être qu'ils me confondaient parce que c'est Mathilde Blanc qui a abandonné son fils à l'école, c'est pas moi. Peut-être qu'ils m'ont confondu avec Mathilde, hein, peut-être parce que, comme à l'époque, j'étais aussi très clair de peau, un genre et tout, peut-être. Hein. Ils étaient durs avec moi. Les injures. J'étais malheureuse et tout. Après, je me suis rébellée. Attends. Je n'ai jamais abandonné un enfant. C'est Mathilde Blanc qui a abandonné son fils. C'est pas moi. En tout cas, sachez que Meta, c'est très dangereux, je vous dis. Vous avez vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux ces derniers temps-ci. C'est très, très dangereux. Ça peut vous arriver. On vous choisit. Parce que vous êtes belle, parce que vous avez un joli visage, parce que vous avez un beau corps. On vous plaît. Parce qu'il y a un grand bas ici à Facebook. Hein. Congo, ça authentique. Allez-y. C'est pas qu'on nous joue la tête là-bas. Moi, ils savent que moi, je les aime pas. Moi, je les aime pas. Il y avait aussi Congo, ça. Il y avait Congo, ça Horizon. Maman. Congo, ça authentique. Ok. Il y avait des bars. Et comme ça. On insultait les gens. On te met là-bas. On te. J'ai dit que. Vous voyez un peu, parce que vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas les. La vérité, il n'y avait pas les Ivoiriens. Hein. Il n'y avait aucun Ivoirien qui était blogueur. Hein. Il n'y avait que les Camerounais. Notre blog, c'est le blog Camerounais. Les Apoutou, les Sonia, les Lady Sonia, Amon Chic. Et tous ces filles-là, c'est derrière nous. Oui, il n'y avait pas. Le seul bloc qui avait, c'était les Camerounais, c'était nous. Mais il y avait la jalousie, les médicaments, la méchanceté, on est toujours bas. Toujours bas. Quand j'ai mangé, je suis arrivé hier. Là, pour aujourd'hui. Lady Sonia, hier. La famille de Makoso, hier, devant nous. Tout cela que vous voyez côté ivoirien. Le love Gougou, avant ça, hier, nous, on était là sur la toile depuis. Mais la méchanceté, le bavardage, la rancune, la jalousie, a fait que c'était dans tout. Nous, on est toujours là dans les bungalows. En tout cas, une comme on n'a pas la même vie. Moi, je m'en fous. Que je suis ici ou pas. Les gens qui font la concurrence, là, c'est des pipis. Pipis. Même le Cameroun te dépasse. Elle est là, elle parle, tu la bouche. Lola, est-ce que moi j'ai peur de toi? Tu as dit que tu vas m'attraper quelque part. Tu peux m'attraper quand tu veux. Hein? Fais seulement gaffe avec moi. Parce que moi j'ai mes pieds sur terre. Donc, c'est... Oui, je vous avais dit quoi? Nous sommes déjà en décembre, non? Mais voilà. Nous sommes déjà en décembre. Écoutez très bien l'histoire. Nous sommes déjà en décembre. Les problèmes. Et vous avez dit quoi? Fin décembre, janvier, février, les problèmes, comment on dit ça? Elle a conçu. Elle a conçu les problèmes. Elle se rappelle encore comment on a posté ces photos nous dans les réseaux sociaux. Je vous ai dit non. Congo, ça l'a accusé qu'elle avait filmé, qu'on avait envoyé les vidéos d'elle, qu'elle agonisait à l'hôpital.
Au lieu d'aller là où elle est, et que c'est là qui m'a publié. Pipi, on était tous avec publié. Gankam, demande-nous et moi. J'avais montré comme ça, il fallait la montrer. Demande-nous à montrer. Donc, si tu veux porter plainte, porte-nous plainte, nous trois, parce que nous trois, on avait fait ça. Ne m'accuse pas. Et à chaque fois, parce que c'est autant. Tu t'as filmé. Il a donné la clé USB à sa femme ou non. Et c'est m'est arrivé ici. Et va porter plainte autant. Autant c'est qui? Autant pour sortir avec toi? Regarde mon accouche, j'ai dit allô que autant. C'était mon gars. Il est foutu de voir à 5h du matin que ça te plaise ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a eu un accident. Tu sais, Dieu la fin. J'ai dit que quand je suis en direct, je n'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. En gros, ça n'est pas mon ami. Ça ne m'intéresse pas. Voilà les choses que je n'aime pas. Je suis en direct. Toi, tu viens déjà dire ici que c'est grave chez Ngossa parce que tout le monde va aller chez Ngossa. Allez-y, allons chez Ngossa. Quand Ngossa en direct, tu peux aller dire là-bas Ngossa que je suis en direct ici. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi vous venez toujours ici? Fais ce genre de choses. Tu m'as trouvé ça, mes petits gens qui me regardent, écoute mes conneries. Là, maintenant, tu viens, maintenant, tu dis que, oh, la veuve, c'est grave. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand tu amènes quand même chez Ngossa ou pas ça, allez-y, pardon, allez écouter. Non, je reste ici avec mes deux personnes qui vont m'écouter. Je perds mon temps. Je n'ai rien à faire. Je vais passer mon réveil ici avec vous, mes morts, médicaments, pisser, dormir, regarder la télévision. Allez, on dit que Ngossa en direct, pardon, allez, voilà. Allez-y, moi je reste ici. On dit que Ngossa en direct, allez écouter. Moi je suis ici avec mes deux, ouais, aussi vont rester avec ma partie. Là-bas, c'est sucré. J'ai appris ça quand elle est sur les doigts. Ça ne me regarde pas. Est-ce que c'est la première fois que les gens de Lolo partent chez Flore? Attends, il y a Joséphine Bayan. Joséphine Bayan, la milliardaire, soit disant, elle était qui c'était la famille de. Elle marchait avant aussi. Tu sais aussi que. Hein, parce que le problème, c'est que. Peut-être que Lolo n'explique pas bien les choses. Vous savez la rancœur que Lolo aussi avait Flore. Parce que tous les gens aussi que Lolo avait les gens, ils ont rejoint Flore aussi. Hein, parce que Joséphine Bayan, à l'époque, elle était avec Lolo. Hein. Après, elle a quitté Lolo, je ne sais pas pourquoi. Elle est partie chez Flore. Donc, il y a aussi sa vie. Oui, c'est vrai. Joséphine Bayan, c'était quand elle venait souvent ici, elle était avec Lolo. C'était parce qu'ils ont fait la vie ensemble à Malabo. C'était son ami. Et après, le jour le lendemain, elle est partie chez Flore. Et Edouard Bala, pareil. Edouard Bala, c'était l'ami de Lolo, oui. Parce que c'est Lolo qui commence à parler d'Edouard Bala. Après, ça s'est passé comment aussi. Edouard Bala aussi a quitté Lolo. Il est parti aussi chez Flore. Donc, il y a aussi une rancune un peu. Il y a aussi une rancune à ça, oui. Edouard Bala a l'argent. Joséphine Bayan a l'argent. Il quitte là-bas pour aller. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi quelque chose, oui. Non, là-bas, ça va, je maigris. Donc, Facebook, c'est... Moi, je... Oui, c'est vrai. C'est le fils Bayan qui invite Flore, mais maintenant, à Dubaï, qui invite partout. C'était la copine de Lolo. Oui. Quand elle venait tout le temps ici, elle était tout le temps avec Lolo. Le jour au lendemain, elle est partie là où il y a la joie. Oui. Et doit pas l'apparaître. Non, et aussi, quelque part, que Lolo peut aussi avoir... Les pensées un peu dures, oui. C'est vrai. Donc, il y a aussi ça. C'est pour ça que je pense que Lolo aussi déteste. Et c'est pour ça que Lolo aussi veut faire tout pour occuper aussi les gens de Flore. Oui. Oui. Parce que Joséphine Bayan était avec Lolo, oui. Et même, comment on appelle ils étaient tous. Même en Camon la Panthère, c'était le copain de Flore aussi. Hein. Donc. Donc, elle fait tout, en tout cas, elle fait tout pour prendre tout ce que Flore a. Parce que Flore aussi, mais pense que quand elle fait tout pour prendre ce que Flore a, c'est déjà, c'est plutôt sucré.
Alors que Flore, elle prend les meilleurs gens de Lolo qui ont de l'argent et qui. Parce que Flore, une grande team, et puis Flore, pour. Aujourd'hui, si on connaît le président Edouard, là, ce n'est pas derrière Lolo, c'est derrière Flore de Lille. Ben oui. Si on connaît maintenant Joséphine Bayan, c'est Flore de Lille qui fait connaître Joséphine Bayan. Alors que Lolo, quand il était avec Lolo, Lolo n'était rien. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui savent dans leur chose. Moi, je m'en fous. Je vois Joséphine Bayan, je salue. Si je veux. Je vois Edouard Bala, je salue. Moi, je ne suis pas dans leur chose là. Moi, je n'ai pas mon ami milliardaire. Et moi, je m'en tape que je sois milliardaire ou pas. Ça fait quoi la veuve? Moi, j'ai mon canapé. Ce que moi, je donne dans le canapé. C'est demain que je veux préparer. Je vais arranger bien. Vous connaissez, non? Je veux m'habiller bien, bien. Je veux me maquiller et tout. Je veux faire mes. Donc, c'est demain que je vais faire des trucs. Joyeux Noël! Alors, on peut faire un touché en gros. Ça, là-bas aussi. Attendez un peu. On avait fait un touché en gros. On peut attendre ce que vous a dit. Il est avant. Il faut que je me pique la piqûre. Il faut que je me fasse une piqûre. Ngoz a dit alors quoi là-bas? Elle a mis les voix. Comment on dit toujours? Tu nourris le chien et c'est le chien là qui te mord. Allez écouter ce que Ngoz a dit, vous me dites ici, partez. Joyeux Noël. Je me connaissais à l'époque, maman, j'ai fini souvent, j'arrangeais les tables et tout. Oh. Eh oui, j'ai encore quoi, j'ai encore qui? Moi, je vous ai vu. Nous regardons, on reste ensemble. Et j'ai mon sapin à la télé. Moi, je n'ai pas d'amis, je parle avec eux. Moi, je n'ai personne. Et c'est même souvent bien comme ça que je laisse toi seul. Parce que toi, le problème. J'ai dit que le problème des frères Bassa, là, moi, je suis plus mon ami. Après, ils vont s'arranger. Parce que comme je le sens du macro, là, ça peut tourner là que c'est la vous choisissez qui avait fait ceci. C'est quoi là-bas, oh? Je la danse comme ça. Attends, je ne vois pas bien ma femme. Elle a mis un voix où me sent. Je suis de Bamnikin. Elle est traite de chant. Il faut bien que moi je ne vois plus rien, je ne vois pas. Chaque nom. Non, ce n'est pas bon, c'est là, fait ça. Ce n'est pas bon. De Chankouya, attends. Mais attends, qui est mignon qui est ça ici à Facebook? Alors, donc, compresseur est lâche. Soit tu es lâche, il fallait mettre les voix pour faire les bogosa. Bah oui. Bah oui, moi j'accepte pas ça. Moi il va acheter ce problème. Moi ça m'empêche ce problème. Qui ignore que. Attends. En fait, c'est un problème tribal. Ça, c'est pas un problème tribal. Comprends-tu, tu es méchante. Hein? Attends, un peu, je m'en vais un peu là. C'est pourquoi les bambins font quoi? Comme tu sais que de ta soeur va te quitter bientôt, tu vas aller chercher la faveur des bambins des autres, franchement. Tu n'es qu'une pourriture. Qui ignore que le sang, lui, il passe ses choses à Facebook, c'est comme moi. Tu as vu quoi qu'on peut se faire? Que si elle va mettre le bois là où me sang, insulte les bambins, qui n'a pas insulté qui ici à Facebook? Tout le monde, j'ai insulté souvent, moi j'ai insulté souvent les bambins, vous me connaissez avec moi, dans mes heures perdues, quand un bambin me fait quelque chose, j'insulte. C'est pour ça que, compresseur, la femme là, je t'ai dit,
Tu vois maintenant que les Banikais prennent ça comment? Qui tu me sens? Qui ignore que me sens et comme il est? Voilà un gagne. Tiens, j'ai ici là qu'il faut qu'on tue les boulots avec la machette. Personne n'est sorti. Oui? Mais quand le Banikais dit qu'on doit tuer le boulot avec la hache, vers où faut ici? Vous ne parlez pas. Mais dès qu'un bêtis dit qu'on va tuer le Banikais, tous les Banikais se versent sur toi. Et qu'est-ce que tu vas mettre? Quand on compose, tu mets ce genre de voix. C'est pour espérer quoi? Qu'on fasse quoi de me sang? Mais tu es bête. Tout le monde sait que me sang est comme il est. On dit qu'il est tribaliste. Comment on me dit tribaliste? Il y a un problème ici à Facebook. Certains gens disent aux autres qu'ils sont tribalistes. Alors qu'eux-mêmes, ils sont tribalistes. Il y a des gens ici, quand tu ne marches pas comme ils veulent, ils sont tribalistes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si la mamie s'est... Ouh, qu'est-ce que c'est? Mamie m'a jeté. On sait qui est tribaliste dans la toile. Oui? Moi, ça te pose une question. Il n'y a pas Roberto Ngannou, il y a un autre Ngannou qui est là-bas, qui est professeur au Canada. Là. Il a dit carrément qu'on doit tuer tous les boules avec la hache. La hache et la machette ici. Et les vidéos sont là, Facebook. Après, il a parlé de tout d'un quoi. Il n'est pas tribaliste. Est-ce que quand il a parlé de ça, c'est ça. Il n'est pas tribaliste. Pourtant, c'est un Banikais qui souhaite la mort à un bétis. Et il a conçu où? Chez les bétis à Yaoundé. Et oui. Quand c'est le Banikais qui insulte d'un quoi. On doit rester là, on ne doit pas répondre. C'est pour ça que moi, je réponds toujours. Donc si tu veux maintenant mettre me sang dans la bandure populaire disant que me sang est insulté, que me sang a toujours me sang a toujours été comme ça, me sang a toujours insulté comme moi. Donc vraiment quoi, parce que tu as fait ça vraiment, c'est que c'est nul, hein? C'est que c'est nul. C'est que c'est nul. Moi je crois même qu'ils vont parler les voix de, comme la belle Samami là. Vous voyez la carte les voix de la belle Samami là. Comme la belle Samara dit, les vraies voix, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de vraies voix, c'est... Mettez le cœur à la vidéo, si bouge. Eh, Patrice Ngagnan, ici, à Facebook, il a porté un don. Il avait ciblé les boulots de Samara. Il faut qu'on tue tous les boulots de Samara. Ici, est-ce qu'on croit lui a répondu? La seule personne qui est sortie, c'est moi. Je l'ai répondu mal ici. Parce que si moi, je dis maintenant qu'il faut qu'on tue, c'est le jour là que bon, j'avais dit que on doit aussi tuer les Banikais avec la rate à Chop Dai. Les Banikais se sont fâchés. Les vous nous tuez avec les haches et les machettes. Nous, ça vous tuez avec la rate à Chop Dai. Parce que la rate à Chop Dai, avant que tu meurs, tu vas d'abord souffrir. Oui. Pourquoi se tue comme ça? Donc les Banikais, lui, là, il doit les dénigrer le métier. On ne parle pas. Ça, c'est dangereux. Dit que tu es tout un peuple, tu es tout une ennemie avec la hache, qu'on nous massacre. Que si c'était lui, on nous massacrait, qu'on n'existe plus. Des boulots. Qui a parlé ici à Facebook? Personne. Dès que toi tu sors pour te dire que moi je suis sorti, je dis qu'on va vous tuer avec la rate à Chop Dai. Les Banikais allaient me tuer ici à Facebook. Je suis resté dans mon lit parce que quand moi j'ai dit que j'ai raison, quand il parle ma chose, même si on dit que j'ai dit que non, quand j'ai dit non, c'est non. Oui, c'est lui. Donc si on goûte ça. Tu t'es rabaissé à ce niveau que les vidéos. Quand me sens parler de tribalisme des Bamiens, toi tu la registres pour venir mettre. Tiens, attends, c'est quoi ça? Tout le monde sait que me sens un tribaliste. On est pour le dire. Les gens savent que je suis tribaliste. Non, je ne suis pas tribaliste, mais moi je défends. Parce qu'il faut bien défendre. Vous n'avez pas remarqué dans ma page, il y a beaucoup de vidéos qui ont disparu. Oui, on m'a signalé à Meta. Parce que toutes les vidéos que je parle de Banikais, ils viennent signaler. Et ça joue contre ma monétisation. Pourquoi? Mon Patrice Gagnon a parlé. Est-ce qu'on doit tuer tous les boules avec la hache et la machette? Ici. Et dès qu'on parle comme. Donc, ça, si tu as vraiment fait ça, c'est ridicule. Qui ignore ça?
Mais sans lui, je l'ai pas mis, comme ça. Moi, je croyais que tu avais les bonnes images. Comme ça, parce que quand j'ai suivi pour Abbé Samé, là, ce sont les voix. Ce que toi, tu viens à mettre là, c'est quel genre de voix, hein? Parce que tu es maintenant assigné à résistance avec les Bamiléké. Tu viens trahir ton frère. Nadine, c'est comment? Tu as vu mon teint? Je suis belle. I am the belle. Il y a vraiment des gens qui. J'aurais dû être militaire. J'allais torturer les gens. Ou un tigan. Maman, c'est du n'importe quoi. Donc, ça, tu n'as plus. Quand on dit les voix, tu vas mettre les voix de. Quand on parle de politique. Est-ce que c'est la politique? C'est pas la politique. Tu vas mettre les voix. Là où les insultes les Bamiléké, ça va faire quoi? Qui ignore qui insulte les Bamiléké ici? Les écans qui sont chez vous, c'est Néan. Voilà, Bastero est venu chanter ici à Genève. Il y avait combien de gens qui sont allés regarder? Il y a combien de Bamiléké qui sont allés regarder Bastero? Il n'y avait pas, hein? À cause c'est un Bamiléké qui faisait la soirée là-bas. On allait remplir les salles. Voilà, pour une ligne, quand on a parlé, c'est qu'au début, on a dit que c'est parce qu'elle avait parlé de la poubelle, alors que ce n'était pas la poubelle. Je l'ai quand même défendu ici, le mafo. Il faut savoir que nous, on parle de mafo chez nous. Hein. On n'a pas le mafo, les écarts, on parle de mafo. T'as un mafo. Qui t'a intégré, qui t'a initié dans le mafo? C'est parce que les gens là. Il y a un autre ici, tribaliste. Robert Tonganyan. Tribaliste. Bami Power. Parce que quand c'est chez vous, c'est normal. Quand chez nous, ce n'est pas normal. Compressé tellement, mais je n'ai pas. Pardon. Non, moi je mange. Non, moi je mange avec la peau. Non, j'aime manger avec la peau. Bon, ce sont les vitamines. Vitamine E. En tout cas, une comme moi. Hein. Un bassin me fait quelque chose. Vous me connaissez les bassins. Vous connaissez mon histoire avec des champagnes. Jinga Bassa. J'ai terminé ici avec lui à Facebook. J'ai une petite colline là-bas. Pour ne pas réveiller les voisins. J'allais me placer là-bas. Oh, 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 maman, il a quitté les réseaux sociaux à cause de moi. Donc, voilà quoi. Donc, Hervé Nana. Voilà encore un bagarre qui est là. Donc, on peut soit mettre les voix, ça. Elle a mis les voix. Pourquoi faire ça? Le climat, les gens, c'est. Toi, tu viens dire ça comme ça. Qui ignore comme ça, hein, comme ça? Vous avez alors fait quoi de Bassé? Voilà, Bassé, vous avez fait quoi de lui? Oui?
Moi, je perds mon temps ici. La personne qui ne veut pas. Moi, je n'ai que vous. Moi, je n'ai plus personne. Moi, je parle avec personne. Mon problème, c'est que je veux savoir pourquoi on vous amène de voir ça. Shame on you too. C'est pour ça que moi, je ne peux plus aider les gens. Ça, je ne peux plus. Souvent, les femmes, souvent, la pauvre madame, ça, elle est en direct. Elle ne peut pas. J'ai une affection avec le couple, si je les aime bien, je vous mens pas. J'aime bien ce couple, je ne sais pas pourquoi. Maintenant tu ne veux pas, tu veux quoi maintenant? Ok, mange alors. Maman, tu dois manger, on te donne le jus. Ok, tu manges, maman te donne le jus, ok? Tu as mangé deux fois, mange encore un peu. Non, si tu ne manges pas, maman te donne pas. Oui, elle a mangé le poulet. Elle a mangé le poulet. Ok, donne aussi le jus à Joana. Moi, le jus, je me sens rien. Hein? Est-ce qu'il veut rester dans le jus? Donne le verre à Joana et Chelo. Oh, Black Beauty. Joyeux Noël. Abonnez-vous sur sa page. Black Beauty. Allez vous abonner. Black Beauty. Wow, je vais chez Ngosa. Ngosa. Marc la Rose. Putain, tout le monde en direct, hein? Ok. J'ai un problème avec mes yeux, si je ne vois plus bien. Il faut que j'aille consulter. Hein? C'est elle, chancelier. Elle n'est plus en direct. Elle a quand même eu 4408 commentaires. Donc c'était chaud. 404 partages. 566. Elle met les voix au début. Non, je sais comment je vais faire. Je vais revenir sur elle après. Je vais revenir sur elle après. Moi, je m'en vais m'asseoir. Je n'ai pas ma sang. Donc, comme vous, je vous disais que dans la vie, tout ce qui peut vous arriver, vous comprenez, que ça soit en bien ou en mal, oui, ne paniquez pas. Ne paniquez jamais, je vous le dis.
Ne paniquez jamais. Parce qu'il y a des choses qui arrivent selon la vie. Tu dis que j'ai fait quoi dans la vie ici pour que ça m'arrive. Tu te poses la question que j'ai tué qui. Peut-être que ma famille a peut-être fait quelque chose qui m'intéresse parce que ça tombe sur moi. Du coup, tu pars au village. Comment on dit les archives? Comment on dit les archives? Donc, tu pars au village, tu recommences, tu essaies de voir les anciens du village pour voir si peut-être ta famille a été déshonorée. Parce qu'il y a des choses que. Oui, il y a des choses que parfois, tu dis, tu ne sais pas, hein, il y a des choses comme ça. Hein. Il y a souvent les villages qui ont dit que le côté ci est comme ça. Tu vois un côté un peu mort, l'autre côté. N'est pas. Non, moi, mon repas, c'était pas. Moi, je je n'ai jamais mangé le 24. Parce que quand on était petit, c'est le 25 que nous on mange souvent. C'est demain que moi je veux manger. Vous allez voir ce que je vais me préparer demain. Vous serez surpris. Donc, pour vous dire que quoi, dans la vie, il faut seulement être patient. Priez. Moi, j'ai déjà tellement prié que même parfois, même Dieu et moi, on ne s'entend même pas. Parce que tu restes comme tu dis, qu'est-ce parce que tu ne sais même pas comment tu as fait pour arriver dans l'état que tu aimais. Tu es déjà là. Tu ne sais pas à quel moment la vie bascule. Moi qui étais efficace, vraiment voir. Mon mari est mort. J'ai continué à être belle, faire mes trucs et tout et tout. Ouais. Après, je suis tombée enceinte de Dieu donné. Je l'aimais tellement que je pense que c'est là où j'ai commencé à sombrer. Si tu veux, tu viens. Non. Est-ce que c'est un problème? C'est demain que je vais préparer. Le 24, pour faire quoi le 24? Mais j'ai les blancs, j'ai les vrais blancs ici. C'est aujourd'hui le réveillon. Hein. Ils mangent bien, ils vont commencer peut-être à 22h, pour finir à minuit. Après, se les causer jusqu'à 2h du matin. Tout le monde va dormir. Le lendemain, le reste, on mange à midi. Ceux qui veulent rentrer, rentrent. Ce qui veut rester, reste. Non, mais moi, vous savez, moi, je suis un peu. Moi, j'aime bien ce genre de causerie. J'aime bien. Parce que moi, je parle de moi parce que je dois me remettre en question que ça s'est passé comment et pourquoi. Je me suis retrouvé dans les réseaux sociaux. Pourquoi moi? Pourquoi ils m'ont choisi, moi? Ouais. Et c'est fait. Ce qui est fait. Bah oui. Et moi, je pense que c'était la perte de mon fils là qui m'a fait aussi ne plus avoir confiance en moi. Parce que c'est après ça que j'ai commencé à grossir, les fribons sont installés et tout ça. Oui. Je pense que c'est ça, c'est à partir de là. Mais bon, mon Dieu est donné. Oui, moi je me remets en question parce que parfois il faut, avant d'avancer, tu vois un peu. Il faut regarder les erreurs que tu as fait avant pour ne plus faire les mêmes erreurs. Tu vois un peu? Pour ne plus faire les mêmes erreurs parce que vraiment, parfois, je me pose des questions. Pourquoi moi? Pourquoi? Moi, je ne connaissais même pas les sujets. Je n'avais pas d'amis. Je n'étais pas une personne. J'étais une femme très calme, même au Cameroun, très calme. Très calme, posée, polie. C'est à Facebook que j'ai appris à être désagréable avec les gens, à gronder, à faire des conneries. Tu vois un peu? Donc, voilà, parce que. Bah, en tout cas, non, je ne regrette pas, mais tu sais, le mot regret existe, donc il faut regretter. Le mot remords existe. Le regret, si on appelle les regrets de la vie d'avant, on appelle les regrets parce qu'on a fait du mal à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas déjà humain. On appelle les regrets de beaucoup de choses. Ce sont les mots qui existent. Les remords existent. Les remords peuvent tuer. Oui. L'angoisse existe, il y a les angoisses qui existent, il y a plein de choses qui existent, mais l'angoisse existe. Parfois, vous vous sentez angoissé, vous êtes angoissé, il y a beaucoup de choses qui existent. Tous les mots qui sont dans les dictionnaires, ce sont les mots qui existent. Donc, à un moment ou à un autre, il faut bien les utiliser. Mais le blanc, c'est le réveillon ce soir, moi, c'est demain. C'est demain que moi, j'ai fait mon réveillon. Oui, bah oui, c'est bien beau. Oui. Mais là, je. Oui, c'est ce que. Enfin, selon moi, dans ma logique des choses, selon moi, c'est ce ventre qui était
peut-être la cause un peu de mes problèmes, tu vois, un peu que je n'ai, parce que je n'arrivais plus à m'habiller convenablement, je n'arrivais plus à aller là où il y a les gens, parce que j'étais, pour moi, quand quelqu'un me regardait, c'est mon ventre qu'on voyait, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, j'espère que, comme pour l'instant, il n'est plus là, et puis, bah, je vais refaire ma vie, quoi. Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Les doigts, elles machiavéliques, hein, les petites filles, là, comment elles craignent avec leur corps. Tu vois, elles sont toutes cambrées. Toi, tu vas faire comment? Tu vas aller rivaliser avec eux, là. Non, il faut entrer la danse. Même si peut-être que t'es pas aussi, tu n'es pas allé couper les soya comme eux, mais quand même, tu es quand même bien dans tes souliers, tu es bien dans ta robe, tu te sens à l'aise, tu es contente. Tu vois un peu? Parce que enlever l'utérus, oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va quitter. Bon, forcément, après, je vais guérir. Non, mais pas que les gens qui m'ont complexé. Moi, je pense que c'est aussi mon entourage. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas vraiment comment tout ça s'est passé. Mais bon, moi, je pense que ceux qui me... il y avait une cale dans ma vie. Je pense que la cale, c'était mon ventre. Mais maintenant que je l'ai refait, je pense que ça va aller mieux. Ouais. Parce que moi, j'ai des beaux vêtements, j'aime bien m'habiller, j'aime être bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va aller, quoi. Bah oui. Quand quelque chose te dérange, il faut s'en débarrasser. Oui, c'est vrai, parce que l'Europe change les gens. Ici, les gens sont trop matérialistes, plus qu'au Cameroun. Au Cameroun, il y a un peu un semblant d'affection, mais ici, oui, ici, les gens, c'est l'argent, hein. Bah oui. Non, pas que j'aime, c'est toujours moi, hein. Toutes les photos là, j'ai les belles photos, tout ce qu'il a, c'est la bourgeoisie, c'est tout ça, c'est moi, mais bon, je ne peux plus complètement revenir comme avant, parce que j'ai de l'âge aussi, tu vois, un peu, j'ai 48 ans quand même, je peux pas revenir comme avant, mais quand même, je vais essayer de faire les efforts d'être en mieux, plus joli. Oui, avant j'étais très canon, j'étais belle, hein. Voilà. Et je me sentais. Oui, moi, j'aime bien parler de mon passé parce que j'ai... j'ai vécu de bons moments dans mon passé. Oui, il faut toujours penser à son passé. Moi, je ne suis pas là pour... comment dire... pour parler de quelqu'un d'autre. Moi, je parle de moi. Donc, mon passé, oui. Oui, c'est mon passé, oui. Et puis... vous savez, quand vous avez déjà fait des projets, vous avez fait certaines choses et tout, et le jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien, je vous dis sans rien, tu te demandes ce qui se passe, tu vois comment bien occuper les voitures, les huissiers et tout ça. Vous voyez un peu, vous vous retrouvez dans un autre monde, quoi. C'est pas facile, hein, d'être veuve, hein, je veux vous dire. Et puis j'étais veuve très jeune aussi, je savais même pas. C'était trop compliqué un peu. Oui, c'est quand j'ai. Puis ma maison, c'est que je suis devenue autonome. J'ai su comment payer le loyer parce qu'avant, c'est mon mari qui s'en occupait les histoires financières. Vous voyez, c'est lui qui s'en occupait. Après, le jour au lendemain, je dois prendre soin de moi tout seul. J'ai deux enfants que je dois m'en occuper. Il y a plein de choses. Voilà, les choses que je ne faisais pas avant. Là, je deviens adulte. Oui, je deviens adulte. Je dois faire ça, ça, je dois faire ça, ça. Je dois tuer l'argent tout seul. Je dois. Me nourrir, me divertir. C'est pas facile, hein, vous savez. Mais c'est pas que je suis efficace. Donc voilà quoi. Mais moi, je trouve quand même que Dieu est cruel, quand même. Bon Dieu est cruel. Oui, il est cruel. T'as enlevé quelqu'un. Qui était ton avenir, ton passé et tout. Bac! Il est mort. Il est déjà couché. On enterre déjà. Ah! C'est une expérience. Je ne vous la souhaite pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez la vivre. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous ne pouvez pas échapper. Mais, vous ne pouvez pas échapper. Mais c'est quelque chose qui est. Il y a un manque après.
tu te retrouves seul, tu ne connais pas, tu ne connais rien. Ma part est tard, je pleurais tous les jours parce que je ne connaissais même pas ce que je faisais. Ouais. Et après? Non, il y a trop d'injustice sur cette terre. Il y a trop de choses que parfois, on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Je suis bien d'accord. Mais je n'accepte pas cette chose. Non. Mais ce qu'il fait, je suis obligé d'accepter parce que c'est lui qui décide. Bien sûr, il faut bien mourir. Mais, comme ça là, oui. Mais bon, ce qu'il fait, fait. Mais oui. Oui. Ce qu'il fait, faut qu'il fasse quoi? Je ne peux rien dire. Donc, les voiles, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Donc, là. Moi, je pense que depuis que mon mari est mort, je ne suis pas quand même bien sorti. Parce que j'ai un petit logement. Je mange bien. Je suis bien, mais c'est ça, ce n'est pas ma destinée. C'est pour ça que, comme selon moi, ce qui me dérangeait est parti, donc selon moi, je pense que maintenant, ma vie va être autre chose. Parce que mon kafa, c'était mon ventre aussi. C'est mon ventre. Ça me dérangeait. C'est mon ventre. Maintenant, je ne veux plus manger beaucoup comme avant, je ne veux plus faire tout parce que j'étais obligé de manger pour nourrir ces malheureux fibrons. Parce que le fribon, lui, se nourrit de mon sang. Ça, je ne mange pas. Et lui, se nourrit de mon sang. Donc, je suis obligé de manger et je suis grossi. Vous savez pas ça? Le fribon se nourrit de votre sang. Oui. C'est un suceur de sang. Pourquoi est-ce qu'il a une bouche? Il se nourrit de ton sang. C'est un vampire qui vit en toi. Donc, du coup, tu es obligé de manger pour les nourrir parce qu'il faut que tu te nourrisses pour qu'eux aussi se nourrissent. C'est comme les enfants. Sauf que ce sont les enfants que tu n'accoucheras jamais, bien sûr. Ce sont les parasites qui viennent, toi, les myomes, les machins et la saleté. Oui, ils se disent de quoi? Ils gonflent pourquoi? Parce qu'ils mangent ton sang. Tu es obligé de. C'est pour ça que la plupart des femmes, certaines qui n'ont pas de moyens de manger convenablement et tout, elles meurent parce qu'elles n'ont pas de quoi se nourrir. Il faut les nourrir. Tu entends que quelqu'un, une utérus, 17 fibrons, ils se nourrissent de quoi, selon vous? Ils gonflent pourquoi? Parce qu'ils sucent ton sang, parce que ce sont les suceurs de sang. Il faut qu'on vous explique bien. Hein? Vous croyez qu'ils sont là pourquoi? Maman, quand je m'assieds pour manger, est-ce que je mangerai comme ça? Oui, parce que j'étais obligé de les nourrir. Vous voyez, tu vois, non? J'étais obligé de les nourrir, sinon j'allais souvent tomber et m'arriver ici. J'étais obligé de les nourrir. Oui, ils gonflent, ils sont comme les enfants. Oui, c'est pour ça qu'il y a, il y a certaines femmes qui meurent. Ils meurent parce qu'elles ne se nourrissent pas et ils sucent le sang après. Elles font une hémorragie. Et on appelle ça comment? Elles deviennent émaciées, elles deviennent toutes maigres parce que c'est les fribons. C'est pour ça que j'ai mangé pour les nourrir. Maman, 3 heures je mange. Oui, un jour j'avais fait 3 jours. J'étais ici, j'ai dit que je ne mange pas. Je mangeais les fruits, je mangeais. Maman, je voulais me lever pour sortir. Je suis tombée épanouie. Boum. Oui, parce que il fallait que je me nourrisse convenablement. Donc, je vous le dis, n'ayez pas peur. Je ne vous demande pas d'enlever vos utérus, mais de toute façon, vous enlevez, même on vous opère, on enlève les fibrons. Hein. Si l'utérus est toujours là, les myomes, ils sont toujours là. Ils vont encore grossir. Vous allez passer votre temps. Enlever le truc. Vous enlevez l'utérus une fois. Ah, vous enlevez ça. Vous voyez, j'ai enlevé, n'est-ce pas, je vis. Sauf que pour l'instant, je ne peux pas nier. Je veux nier à partir du mois de février parce que j'ai 2 mois de convalescence. Il y a beaucoup de veuves ici à Facebook. Moi, je suis une veuve. Ils m'ont donné un grand nom, veuve joyeuse. Je suis votre veuve joyeuse, vous me donnez le nom, vous m'insultez encore comme ça, comme, hé, hey, maman,
Si moi, je devais dire depuis, hein, mais malheureusement, je ne peux pas dire. Donc, vous qui avez les fibrons, enlevez ça. Et les fibrons tuent. Quand les fibrons restent déjà longtemps, vous n'enlevez pas. Le cancer va arriver. Le cancer. Tu entends souvent que le cancer de l'utérus, après ça va se transformer en leucémie. Oui. Enlever. Mais ce n'est pas facile d'aller souffrir. Parce que moi, j'ai souffert. La mine, ça va, mais ça va en haut. Mais là, je ne peux pas tourner ici en bas. Je ne peux pas. Ça fait mal. Ça tire. J'ai une grosse cicatrice. Bah oui. Moi, je vous conseille que si quelque chose vous gêne dans la vie, hein, même dans la Bible, c'est écrit. Si la main, c'est un volet, n'est-ce pas, tu fais comment? N'est-ce pas, tu coupes la main? Ça ne volera plus. Alors, moi, j'ai enlevé mon utérus. On dit partout que la veuve joyeuse est partie enlever les graisses. Quelles graisses? Moi, j'ai vu en vrai, je suis mince. Hein? Je suis petite et mince. Oui. Moi, les vêtements, imaginez, tu veux un beau vêtement, tu veux porter le vêtement, le ventre est là. Parfois, ça se plaçait vraiment comme si j'étais enceinte. Hein? Oui. Et il gonfle. Tu te lèves le matin comme ça. Tu as bien dormi. C'était bien. Tu te lèves. Hein? Ça, et oui, parfois, ça fait comme si tu es enceinte. Oui. Ton ventre est positionné comme une femme enceinte. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien. La plupart des femmes que vous voyez là, elles ont gonflé tout. C'est les fibons. Oui. Nous sommes les veuves, non? Moi, je suis veuve malheureuse. C'est eux qui disent, moi, je sais que je suis moins joyeuse. Ils disent que je suis malheureuse. C'est eux-mêmes qui savent. Si c'est eux qui me nourrissent, si c'est eux qui paient mon électricité, je paye 180 euros ici par mois. Le petit loyer à la casse, ça, c'est autre chose. Mais je fais ce qu'on a dit. J'ai le, qu'on appelle ça, assurance habitation. Je paye, qui paye? C'est eux qui me payent ça. Je suis dans les règles. Veuve malheureuse. Ce qui est marrant, c'est que quelqu'un vit dans le HLM. Toi, si tu vis dans le HLM, tu insultes une autre personne qu'elle vit dans le HLM. Les HLM qui sont devenus le luxe ici maintenant, pour avoir le HLM, c'est un luxe, hein, dans les beaux quartiers comme ça. Avec ma tour Eiffel, avec la vue que j'ai ici, une belle vue. En tout cas, mais ouais, demain je vais recevoir les gens ici, donc après je vais dormir et après il y a des congélés, la tête de, j'ai acheté une grosse tête de chèvre, c'est ça qu'on va manger demain. Bon, de toute façon, je suis à 15%. Merci beaucoup à ceux qui sont restés pour m'écouter. Bon réveillon, joyeux Noël, on est ensemble. De toute façon, à minuit, je viendrai vous souhaiter joyeux Noël. À tout à l'heure, merci. Bonne soirée.